notre dernier webinaire cet après-midi. Bonjour à vous, Monsieur Berry, Monsieur Triclot. Néanmoins, Bonjour. sans, voilà, bonjour messieurs. Sans aller plus loin pour l'instant, je vais laisser la parole à Monsieur Ruche, professeur de santé publique, voilà, qui va pouvoir introduire ce dernier webinaire. Merci Jean-Denis. Emmanuel Ruche, donc médecin de santé publique, directeur de l'équipe de recherche éducation éthique santé à l'Université de Tours. Un petit mot pour rappeler tout l'enjeu que l'on accorde en tout cas à l'éducation pour la santé ou l'éducation thérapeutique et plus généralement à l'accompagnement des usagers, des citoyens vis-à-vis des problématiques de santé et l'actualité en est un reflet d'une certaine façon avec la pandémie et l'épidémie COVID-19 et puis bien sûr l'accompagnement des patients atteints de maladies chroniques. Alors la question au travers et au prisme des serious games et en tout cas des jeux numériques et ou vidéo sérieux, la question que l'on peut se poser c'est en quoi leur mise à disposition auprès des usagers ou des patients du système de santé peut-il contribuer aux objectifs que nous poursuivons habituellement dans la relation soignant-soigné qui sont un objectif d'autonomie, d'empouvoirment ou d'émancipation. Et cette dimension à la fois éthique, philosophique, mais plus généralement, quel est le sens que l'on peut donner à nos pratiques dans la relation soignante, nous tient à cœur. Alors, merci beaucoup à la fois à Vincent Berry et à Mathieu Triclot de nous accompagner dans cette réflexion et de nous faire partager dans les minutes qui suivent leur point de vue ou leur approche sur l'éthique de la pratique du jeu vidéo sérieux en santé. Peut-on jouer avec la santé et avec sa santé? Merci à vous. Voilà, merci en effet d'être présent. Donc, on a des gens dans le chat qui nous disent que voilà, ils suivent même notre webinaire en groupe. Il y a un groupe de 19 personnes, voilà, connectées derrière une session. Vu que le présentiel en demi-jauge a repris cours. Donc voilà, des gens qui sont dans des segments de formation nous suivent de façon collégiale. Donc on va passer ces 2 heures ensemble, 1 heure passée avec chacun de nos orateurs, avec un temps d'échange et de questions avec eux après leur intervention, leur communication. Donc je remercie Tugba à nouveau qui est à mes côtés en tant que modératrice. Voilà, et qui, donc dans le chat, hein, comme d'habitude, dans le fil de discussion, vous posez vos questions à nos deux intervenants et puis on va leur relayer après leur intervention. Donc, on en arrive en effet à ce 5e et dernier volet pour mettre voilà, la focale un petit peu sur les réflexions éthiques que cela peut soulever, que d'utiliser l'activité du jeu dans une activité éducative et pédagogique et aussi, pourquoi pas, extrapoler dans le champ qui nous concerne, à savoir la santé. Et donc, de par sa nature, voilà, il y a une représentation sociétale aussi du jeu. Est-ce qu'il n'a un versant que récréatif ou est-ce qu'on peut en attendre autre chose? Eh bien, voilà, nos intervenants vont nous conduire un peu dans cette réflexion-là. Et est-ce que le jeu, de par ses règles, de par sa scénarisation, on peut quand même envisager que ce soit individualisé par rapport au parcours d'un apprenant? Ou est-ce que non, l'apprenant se retrouve contingenté dans un schéma de scénario d'apprentissage au travers d'un jeu? Est-ce que l'autonomie, du coup, peut être questionnée de l'apprenant? Voilà, c'est des questions qu'on pose et puis on les posera peut-être sur la fin. Quand on joue, mais quand on joue avec des questions qui traitent de sa maladie et de sa santé, eh bien, qu'est-ce qu'il en est que de jouer avec des éléments qui impactent sa santé, qui questionnent sa maladie? Quand on gagne, pourquoi pas, mais quand on perd, voilà, quelle réflexion on pourrait en tirer. Donc voilà, 2 heures d'échange, de réflexion. Merci à nos deux intervenants vraiment de nous éclairer, peut-être de nous faire aussi continuer de réfléchir sur cette thématique grâce à leurs interventions. Je les remercie vraiment. On va leur laisser maintenant toute la place. Alors, on avait un peu vu ensemble qu'il n'y avait pas forcément de tour de parole défini. Je vois que Monsieur Berry a coupé la caméra et pas Monsieur Triclot, donc c'est peut-être du coup Monsieur Triclot qui démarre. Je ne sais pas si le jeu de la caméra fait que je vous laisse en décider si vous voulez. Comme tu veux, Vincent. Effectivement, il n'y a pas d'ordre.
Non, il n'y avait pas d'intention cachée. Hein, de... Voilà. Bon, Mathieu, vas-y, hein, du coup, enfin, comme tu le sens, moi, ça me... Ouais, bah, pourquoi pas, écoute, je pense voilà. Que ça va être, donc, ça va être complémentaire. Monsieur Clicquot, qui va démarrer, maître de conférence en philosophie des sciences, département DISC, équipe Omni, Université de Technologie Belfort-Montbéliard. Il faudra compléter, hein, si jamais j'ai écorché vos pédigrés. Monsieur Berry, qui prendra par la suite à 14h30 le relais, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université de Paris 13, enseignant-chercheur au sein du laboratoire Experis. Voilà, messieurs. Eh bien, écoutez, okay. Je laisse la place à Monsieur Triclot. Voilà. Merci bien. C'est parti. Alors, vous m'entendez correctement? C'est très bien. Pour nous, c'est parfait. Partager. Ah, il faut je me vous donne les droits de co-animation, voilà, pour que vous puissiez faire un partage. En effet, voilà, vous avez les droits de co-animation. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Je vais peut-être partager mon écran au complet. C'est peut-être plus simple. Donc là, le partage a débuté. Voilà. Et je prends les slides. Je vais essayer de les mettre. Alors, je suis un peu gêné par la fenêtre. Plein écran. Normalement, vous l'avez. On est bon, ça a démarré. Voilà. Ça fonctionne. Eh ben alors, on est parti. Donc, je vais peut-être poursuivre sur la présentation. Alors, effectivement, moi, je suis maître de conférence en philosophie, mais avec un positionnement particulier, puisque je fais partie j'enseigne et je fais ma recherche dans une université de technologie. Donc, j'enseigne à des élèves ingénieurs. Et j'ai aussi comme caractéristique, du coup, de travailler sur des projets technologiques, et donc d'intervenir sur des projets de développement techno. Donc, ça fait une situation particulière. Et pour cette intervention aujourd'hui, du coup, je me retrouve viser une zone d'intersection dans mes travaux, sur laquelle je ne m'étais pas jusqu'ici penché. C'est-à-dire que je viens avec deux types d'expertise. La première, c'est du côté des sciences du jeu. Donc, si je résume, j'ai publié, alors travaillé sur la question des jeux vidéo depuis une dizaine d'années et publié en 2011 un bouquin qui s'appelait « Philosophie des jeux vidéo à la découverte ». Et à l'intérieur des sciences du jeu ou des savoirs sur le jeu, ce travail des 10 dernières années a porté, disons, sur la dimension du play, c'est-à-dire plutôt que des games, c'est-à-dire la volonté de comprendre ou la tentative de comprendre les formes d'expérience, le jeu, disons, dans sa dimension subjective, plutôt que de comprendre, de s'intéresser au jeu comme système, comme mécanique, comme système de règles, comprendre, approcher les types d'expérience, les types d'engagement des joueurs avec leur jeu. Donc ça, c'est la partie science du jeu. Et puis, par rapport à cette question des serious games pour l'éducation thérapeutique des patients, j'ai aussi finalement, ça a des échos avec cette deuxième partie de mon travail que je présentais là, tout à l'heure, qui est cet engagement sur des projets technologiques dans lesquels, alors en général, je coordonne des équipes de sciences humaines et sociales et où on fait du terrain, en fait, essentiellement avec du travail ethnographique, dans une démarche de conception qu'on appelle conception orientée milieu, orientée par le souci des milieux techniques. Et c'est ici que se retrouvent aussi des enjeux éthiques et politiques. Donc, ce que je vais essayer de faire, alors la question que vous nous avez posée, c'est-à-dire celle des enjeux éthiques du déploiement de serious games, de jeux sérieux en éducation thérapeutique des patients, elle se situe pour moi à l'intersection, si vous voulez, de ces deux zones d'expertise. Trop ouvert, c'est un peu gênant, je ne sais pas si vous avez la possibilité. Pas de problème. Je vais chercher qui a activé son micro. Voilà, mais je pense avoir trouvé, c'est bon. Je vous remercie. D'accord, merci, ça rend la voilà, concentration plus difficile. Allez-y. Donc voilà. Je me retrouve à l'intersection de ces deux terrains avec quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est-à-dire, curieusement, enfin, il y a cette expertise en sciences du jeu, de l'autre côté, cette expertise dans le déploiement de projets technologiques, mais jamais fait de déploiement de serious game sur des terrains techno. Alors, je vais essayer de préciser un tout petit peu, enfin, très rapidement, ce double positionnement. Alors, j'en ai dit un certain nombre de choses.
côté science du jeu orienté play, étude de l'activité de jouer. Le postulat central, l'axiome, ça serait que le game, hein, la connaissance des jeux, des mécaniques de jeu, n'explique pas tout du jeu, de l'activité du jeu. Il y a plus dans l'activité que ce qu'on a pu vouloir mettre dans le jeu en tant qu'objet, en tant que game. Cette démarche en science du jeu, ce positionnement en science du jeu que partage Vincent Berry, sans doute il vous l'expliquera d'une autre manière, vient d'une tradition française d'études des jeux, en particulier avec la figure de Jacques Henriot, qui est un philosophe qui a compté dans l'institutionnalisation des sciences du jeu en France. Et dans cette perspective-là, on est dans une perspective où il y a un primat de l'attitude ludique, un primat du play, et je reprends cette formule de Henriot, les joueurs font les jeux, les joueurs font leurs jeux. Donc le but, c'est de comprendre pourquoi, comment est-ce que ça peut jouer pour les gens, qu'est-ce qui peut faire sens de l'activité ludique, au-delà simplement de la considération du programme, du jeu, de son interface, des règles ou des questions de game design. Alors ici, j'ai mis en illustration un échantillon d'entretien, parce que dans cette démarche-là, on fait des démarches d'anthropologie ou de sociologie qualitative. On va voir comment les joueurs jouent, comment est-ce qu'ils font leur jeu. 10 ans d'entretien avec Thérèse pour garder une anonymisation que vous apercevez derrière, voilà, qui est une très grande joueuse, on pourrait dire, mais qui n'est pas du tout dans le profil qu'on attend du gamer. C'est une femme, elle est âgée, elle est dans un petit village dans une zone rurale en Creuse, et elle joue à des jeux sur Facebook, ici un jeu de la fleuriste. Voilà. Donc là, le travail, l'approche play, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut approcher, qu'est-ce qui fait sens pour elle dans cette activité de jeu, qu'est-ce que c'est que ce jeu pour elle. Et s'il y a une leçon, moi je prends souvent cet exemple-là pour illustrer l'approche play, c'est qu'en faisant l'entretien, je me rends compte que ce qui fait que le jeu fonctionne aussi en partie pour elle, eh bien, c'est que le game design échoue. C'est-à-dire le fait que le jeu ne marche pas, ça va lui fournir occasion pour passer un coup de fil à sa fille, lui demander de l'aide à travers le jeu. Donc là, ici, on est dans un faire sens du jeu, si vous voulez, qui dépasse simplement le game, qui dépasse le dispositif. Et pour comprendre pourquoi ça joue pour elle, il faut récupérer toute la situation ludique. Donc ça serait, en très bref, l'orientation du côté des sciences du jeu. On s'intéresse au play au-delà du game. Quelques mots sur le positionnement côté conception. Donc j'ai évoqué le fait qu'on faisait un travail de sciences humaines et sociales sur des terrains de conception. Alors il y en a plein. Ce matin, j'étais en séminaire sur les questions d'énergie, d'hydrogène. On a fait des projets avec les pompiers, déploiement de capteurs pour les pompiers en intervention. On a fait des projets dans le médical autour de la détection du cancer du sein avec de l'intelligence artificielle, du machine learning. On a des projets autour des filtres de voix en centre d'appel. Enfin, vous voyez, ce genre de déploiement technologique. Et dans cette approche que j'appelle de conception orientée milieu, eh bien, on va retrouver quelque chose de similaire à ce que je racontais à propos d'approche par les games et par le play, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux effets constituants du dispositif qu'on déploie pour l'ensemble de la situation. Je vous donne un exemple pour aller au plus vite de cette approche. Par exemple, on est dans un projet où on travaille sur des capteurs pour les pompiers, pour la tenue des pompiers. Et en fait, on se rend compte que le problème, ce n'est pas tellement les capteurs pour les pompiers, mais c'est que ça change, si on les déployait tels quels, ça change complètement la relation entre les pompiers et les médecins autour de la question de l'aptitude opérationnelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail du terrain, mais en fait, vous avez un effet comme ça de recul. Hein. On croit designer un dispositif technique précis pour faire quelque chose de précis. Et en fait, on se rend compte que ça transforme le milieu d'activité et on essaye d'anticiper ces transformations sur le milieu d'activité. Du coup, je reviens au sentiment qu'il y a une convergence, si vous voulez, entre ces deux approches. D'un côté, approche de science du jeu orientée play. De l'autre côté, approche de conception technologique orientée par le souci des milieux. Et que dans les deux cas, pour ce qui nous intéresse, ça a deux implications. La première, c'est que dans ces approches-là, finalement, la première chose, ça serait de se dire, en fait, ce qui compte, ce n'est pas tellement le jeu,
que vous allez déployer, le serious game, ou pas seulement le jeu que vous allez déployer dans la situation d'éducation thérapeutique, c'est la qualité de la situation d'éducation thérapeutique à laquelle le jeu va participer. Donc, même effet de recul, en fait, ce n'est pas tant le dispositif, ce n'est pas tant le gadget, ce n'est pas tant l'objet technique qui compte que la manière dont il s'insère dans une situation d'activité, d'apprentissage, de travail et la façon dont il va la transformer, la modifier. Bon. Deuxième aspect, ça met aussi, une fois que j'ai raconté ça, je peux arrêter la com. C'est-à-dire, c'est fini. Ça implique une sorte de clause d'ignorance. Si je vous dis ce qui compte, que ce soit du côté du jeu ou du côté du développement technologique, ce qui compte, c'est le milieu, c'est la situation, c'est elle qui est déterminante, eh bien, qu'est-ce que peut faire un serious game dans cette situation que je ne connais pas, d'éducation thérapeutique des patients avec des maladies chroniques? Je ne peux pas le dire. Et l'idée, c'est la citation de Tronto que je mets ici, donc qui est l'une des grandes théoriciennes de ce qu'on appelle l'éthique du care. Eh bien, dans cette perspective d'éthique du care, on ne peut énoncer des préconisations éthiques qu'à partir d'une connaissance. Alors, ça demande plus que des simples intentions, si je traduis la citation à la volée, ça demande une connaissance approfondie de la situation. Et donc, voilà, c'est la limite, j'ai envie de dire, radicale de ce que je peux vous proposer ici aujourd'hui, qui est que sans cette connaissance approfondie de la situation, à mon sens, il n'y a pas de recommandation éthique possible ou qui fasse sens, ou le risque, ce serait de donner simplement de bonnes intentions ou des préconisations qui tourneraient à vide. Alors, là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il va faire pendant le reste du temps? Alors, je me dis qu'il y a quand même une voie étroite, après vous avoir dit, en fait, je ne peux rien vous dire, du point de vue de la perspective qui est la mienne, ou pas faire de recommandations. Je ne peux pas adopter une position de surplomb, ça serait un déficit d'intégrité de faire ça. Néanmoins, j'ai l'impression que, donc c'est la proposition que je vais vous faire, je peux faire quelque chose d'assez négatif, peut-être un peu décevant, mais qui est de se dire, à partir de ces deux terrains, enfin de ces deux zones d'expertise, peut-être que ce que je peux faire, c'est pointer des obstacles potentiels, des obstacles repérés, des difficultés récurrentes dans ce qui serait votre objet, c'est-à-dire le déploiement de Serious Game pour l'éducation thérapeutique des patients. Donc, à défaut de vous dire, voilà un ensemble de normes éthiques toutes faites qu'il faudrait appliquer dans cette situation, ce qui n'est pas du tout mon positionnement théorique, je peux proposer des sortes de maximes de prudence en se disant, si on regarde d'autres cas, peut-être qu'on peut en tirer voilà, des maximes prudentielles pour guider le déploiement de Serious Game en éducation thérapeutique des patients. Donc, ça, je vais le faire donc, des deux côtés. Je vais commencer par l'aspect science du jeu en vous proposant un tour d'horizon, disons, de la littérature critique sur les questions de gamification, mais avec l'idée qu'en fait, ce qui s'est dit autour de cette question de la gamification vaudrait, il me semble, tout aussi bien pour les questions de serious game. Alors, gamification, ça voulait dire transformer une activité par des mécaniques de jeu pour la rendre plus attrayante et plus engageante. Bon, donc, il y a eu, du côté des sciences du jeu, un débat considérable autour de cette proposition théorique et pratique-là de la gamification. Donc, peut-être qu'il y a des repères à prendre de ce côté-là. Et puis, deuxième aspect, symétriquement, je reviendrai sur peut-être des préconisations ou des anticipations possibles à partir de cette démarche de conception orientée par le souci des milieux techniques en vous présentant quelques-uns de ces préceptes. Voilà pour le contrat de cette présentation. Ah oui, puis je quand même, après avoir fait un magnifique schéma, il fallait que je vous le montre dans les slides. Donc, on est dans ce point d'intersection aveugle entre les zones de compétences que je vais essayer d'explorer. Alors, premier point, ou premier développement, autour de repérage
des critiques standards, on va dire, dans la littérature science du jeu ou game studies autour de la notion de gamification et ou de serious game, avec cette idée, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour la situation qui vous intéresse, serious game en éducation thérapeutique. Première chose, alors gamification, c'est un terme qui est un buzzword, qui est un mot à la mode comme ça, avec et qui fait irruption dans le langage. On n'en parlait pas ou très peu, et qui fait irruption sur la scène américaine à partir de 2010-2011, et qui est aujourd'hui alors sur le déclin. Alors là, ce que vous avez, ce que vous voyez derrière, c'est l'outil de Google Ngram Viewer, qui permet de repérer les occurrences, la fréquence d'un terme dans le corpus de Google Books, donc numérisé par Google. Quand on fait le Ngram, vous voyez que ça s'arrête à 2010, et le terme de gamification n'est pas encore monté. En revanche, vous constatez un mouvement sur la fréquence des occurrences de serious game, avec un démarrage à partir des années 2000 et une montée en flèche des discours sur le serious game, alors qu'ils sont liés au déploiement des jeux vidéo en société. Alors, simplement, on a connu une phase où gamification, là c'est ce qui est comparé, a dépassé serious game. Serious game, c'est la courbe en rouge en bas de 2004 à maintenant, et gamification, c'est cette courbe en bleu, donc qui prend là de façon exponentielle à partir de 2010 et qui prend le relais peut-être de serious game. En tout cas, il y a des problématiques, il me semble, similaires. Alors, ce terme de gamification, ou l'émergence de ce questionnement autour serious game, gamification, jeux vidéo, il est détaillé dans une référence que je vous conseille, enfin, qui est la référence standard là-dessus. C'est le gros bouquin de collectif de Valls et d'Etterding de 2014, qui s'appelle Gameful World, et qui fait le point sur ce phénomène de la gamification, qui en fait l'histoire et qui propose un tableau des critiques récurrentes. Voilà. Donc ça arrive en 2010-2011 autour d'un certain nombre de figures clés. Il y a d'abord la game designer Jen McGonigal avec son TED Talk de 2010, Les jeux peuvent faire un monde meilleur, où d'ailleurs elle propose, McGonigal, si je ne dis pas de bêtises, des serious games autour de questions de santé, alors de santé mentale et de dépression. Et c'est le storytelling de McGonigal, comment j'ai pu utiliser, développer des jeux pour me soigner ma propre dépression. Donc ça se présente comme ça. Vous avez l'instauration des Gamification Summit, donc des colloques récurrents sur la gamification avec Zuckerman. Vous avez des ouvrages en théorie du management qui disent désormais on va pouvoir profiter, puisque c'est ça la promesse standard, on va pouvoir profiter des propriétés du jeu, des propriétés d'engagement du jeu, du play, pour transformer des tâches rébarbatives en tâches intéressantes. Et si vous remettez le paysage ludique de l'époque, 2010-2011, on est en plein moment MMORPG, World of Warcraft, du point de vue des jeux vidéo, ou Farmville, aussi des jeux Facebook, un peu comme ceux que j'évoquais tout à l'heure. Et dans cette littérature de la gamification, il y a quelque chose qui revient, qui consiste à dire il se passe quelque chose d'incroyable dans ces jeux, c'est que les joueurs font des tâches répétitives, sans intérêt par elles-mêmes, qui peuvent ressembler à du travail, ce qu'on appelle le farming dans les MMORPG, mais ils adorent ça. Alors, on ne comprend pas parce que, ou plutôt, c'est dans le travail, comment est-ce qu'on pourrait profiter du même niveau d'engagement que ce que les joueurs mettent dans leur jeu. Et la réponse toute trouvée, c'est si on mettait les mêmes mécaniques ludiques, alors on pourrait produire le même niveau d'engagement. Donc c'est vraiment une gamification, c'est-à-dire que c'est par les procédés du game, par les mécaniques ludiques, qu'on se dit qu'on va être capable de transformer des activités rébarbatives, alors que ce soit le travail ou l'apprentissage, en ajoutant mécaniquement, automatiquement, mécaniquement, littéralement,
par le game design de l'engagement. Donc, gamification, il y a une proposition, il y a une promesse de game designer. Nous, game designer, on sait produire de l'engagement, on sait produire du fun, et vous allez voir ce que vous allez voir si on transfère ces compétences dans d'autres activités. Peut-être que c'est aussi solidaire d'un moment aussi de reconnaissance culturelle du jeu vidéo, où disons que l'illégitimité du médium est de plus en plus contestée, où il y a une entrée en légitimité, et donc on peut imaginer comme ça, dans une démarche disruptive, transférer du jeu vidéo vers d'autres activités sérieuses. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, enfin, ce que je veux vous présenter dans cette trajectoire-là, c'est le fait que immédiatement, pas après coup, mais immédiatement, vous avez ce que Jesper Juhl, qui est un des représentants des Game Studies anglo-saxons, appelle le backlash, c'est-à-dire un retour de bâton de la part des sciences du jeu vis-à-vis de ce mot d'ordre de la gamification. Voilà. Bon, on va explorer la forme récurrente des critiques, si vous voulez, après, mais par exemple, un des documents d'époque du backlash, là, c'est celui que vous apercevez derrière, mais je vais le montrer pour lui-même, c'est le blog de Jesse Schell, qui est un game designer reconnu et qui a publié des manuels de game design et qui ouvre un blog qui s'appelle Gamepocalypse Now, donc avec le jeu de mots, je ne vais pas vous expliquer, Gamepocalypse Now, dans lequel il recense tout un ensemble de projets de gamification, alors plutôt pour s'en moquer, et il y a ce moment de la brosse à dents là qui est illustré ici, parce que Schell avait ironiquement, ou avait ironisé en disant « Bon, bah, demain, on aura des brosses à dents connectées qui vont vous dire « Ah bah bravo, un point ce soir parce que tu t'es bien brossé les dents, 3 points parce que c'était dans la bonne durée, et même 10 points parce que tu l'as fait pendant une semaine de suite, et donc tu montes ton niveau de brosseur de dents. » Bon, oui, ce genre de transfert de mécanique des MMORPG vers le brossage de dents. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'objet est créé, et donc il a ce moment de la brosse à dents dans lequel ce qui était anticipé plutôt comme une dystopie, plutôt comme un truc un peu ridicule de gamification du brossage de dents, rendre fun cette activité, eh bien, se produit. Voilà, c'est l'ambiance, si vous voulez, de ce backlash, de ce retour de bâton sur la gamification de l'époque. Alors, j'en viens maintenant à peut-être ce qu'on peut exploiter après de cette affaire-là, avec en empruntant en fait au bouquin de Dieter Harding déjà cité, une cartographie des controverses, ou disons quelques positions emblématiques. Et je me dis, posons-nous exactement la même question. Imaginez que sur votre projet de Serious Game en éducation thérapeutique des patients, débarque Monsieur 1, là, qui va dire « ça ne marchera jamais », débarque la critique 2, « si ça marchait, ce serait mauvais », débarque la critique 3, « ça n'a pas vocation à marcher », qui est la plus radicale. Et comment est-ce que vous pourriez vous anticiper en fait, ces critiques-là et vous y positionner aussi pour clarifier votre propre approche. Alors, première chose, premier élément de la controverse, ça ne marchera jamais. Que disent les gens qui disent ça, donc à propos des serious games ou de la gamification ? C'est souvent une critique de game designer qui va dire, en fait, la gamification, c'est quelque chose de rudimentaire du point de vue des mécaniques de jeu. C'est-à-dire que très souvent, la gamification, ça a été une pointification. Alors là, ici, vous avez un exemple comme ça, de design critique, qui était un jeu qui s'appelait Progress War, qui doit peut-être être toujours jouable en ligne. Et quel est le but du jeu ? Bah, un seul truc, vous appuyez sur le bouton Perform Mission, et vous avez cette barre qui augmente. Et puis, truc extraordinaire, si vous arrivez au bout de la barre, vous montez votre niveau, je ne sais pas si vous voyez là ici le niveau 4 en haut à droite. Donc, première critique de game designer, qui dit quelque chose de très sensé, hein, et qu'on vérifie, il me semble, très souvent du côté des serious games, c'est que gamifier, ou serious gamifier, c'est difficile.
C'est, en fait, faire des bons jeux, c'est extraordinairement difficile. Et il y a ce rappel de bon sens. Mais en fait, tous les jeux ne sont pas intéressants. Tous les jeux ne sont pas motivants. Et c'est peut-être même une toute petite partie des jeux qui parvient à déployer le potentiel du jeu et du play, le potentiel d'émancipation, le potentiel d'autonomie, le potentiel de réflexivité qui nous intéresse. Mais en fait, il ne suffit pas qu'il y ait un jeu ou qu'il y ait du jeu pour que, d'une certaine manière, cette magie se produise. Alors, c'est ce que dit Deterding, hein. Les jeux ne sont pas fun, si je traduis, parce qu'ils sont des jeux, mais parce qu'ils sont bien designés ou bien conçus. Et bien conçus, c'est aussi des contraintes considérables, alors en termes de savoir-faire, mais aussi en termes d'argent. Et là, j'ai oublié de mettre la référence, mais par exemple, vous avez les travaux de Michel Lavigne, qui est à Toulouse, qui a travaillé de façon assez critique sur l'évaluation des serious games, et qui, dans ses évaluations de serious games, fait apparaître une forme de déception récurrente. C'est-à-dire que les gens disent, son panel en l'occurrence, alors c'est les limites de cette approche, il fait ça avec des étudiants, mais il y a une forme de déception, ce n'est pas des vrais jeux. Ludiquement, c'est décevant par rapport au paradigme d'un vrai jeu vidéo. Donc, et cette déception est compréhensible, hein. En fait, ce que je veux dire, basiquement, c'est que les budgets de développement des serious games sont dérisoires par rapport au développement d'un jeu, même indépendant, il me semble. Donc, il y a cette première difficulté qui est, alors ça ne marchera jamais, réponse, parce que faire des bons jeux, c'est quelque chose de difficile. Deuxième critique, alors là, on monte en radicalité. Deuxième critique, si ça marchait, ce serait mauvais. Et peut-être que ça peut ressembler aux questions que vous posiez au point de départ, hein, du genre, oui, qu'est-ce qui se passe si je perds, par exemple, dans un jeu, dans un serious game pour l'éducation, pour la santé? Est-ce qu'il n'y a pas un effet de démotivation plutôt que de motivation? Alors, cette deuxième critique, dans le cas de la gamification, elle a été développée en particulier par Yule, donc toujours l'une des figures stars, on va dire, des game studies anglo-saxonnes. Et chez Yule, vous avez cette idée. Alors, il y a plusieurs aspects de la critique. Bon, il y a un problème sur les métriques, je laisse ça de côté. Et puis, il avait aussi exhumé une expérience de psychologie sociale célèbre des années 70, dans laquelle, autour de la question de la motivation extrinsèque. Vous voyez, cette idée que par rapport à une tâche, je peux avoir de la motivation intrinsèque, je donne du sens, je sais pourquoi je la fais, mais aussi de la motivation extrinsèque. Et dans la perspective de la gamification et peut-être du serious game, ce qu'on cherche à activer, c'est cette motivation extrinsèque. C'est-à-dire que parce que c'est du jeu, on va rajouter du fun et de l'intérêt à la tâche. Or, cette expérience de psychosocial des années 70 démontrait que la motivation extrinsèque peut ruiner la motivation intrinsèque. Alors, l'expérience est la suivante. Vous avez deux groupes de gamins. Dans le premier, vous les faites dessiner. Premier groupe, vous leur donnez des papiers et crayons et vous regardez ce qui se passe. Résultat, au bout de quelques semaines, les gamins adorent dessiner et ils se sont améliorés considérablement. Et puis, deuxième groupe, vous leur donnez une récompense, un bonbon, une sucrerie s'ils dessinent. Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 semaines? Dans ce deuxième groupe, les gamins arrêtent de dessiner. Ils attendent la récompense et leurs productions sont nettement inférieures qualitativement à celles du premier groupe. Donc là, ici, ça nous pose, à mon sens, si j'essaie d'opérer une traduction entre cette critique et la situation qui vous intéresse, l'enjeu, c'est la motivation. Est-ce que l'objectif, c'est de motiver par le jeu? S'il y a besoin de motiver par le jeu, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un déficit de motivation? Et est-ce que c'est par le jeu qu'on va le corriger? Est-ce que c'est le meilleur outil, en fait, pour produire de la motivation à long terme, s'il y a un déficit de motivation? Il semble que c'est comme ça qu'on pourrait traduire cette critique. J'en viens à la troisième. Alors, celle-là, c'est la plus radicale. On monte en radicalité dans les critiques. La plus violente, c'est Yann Bogost, qui est aussi un chercheur très connu en sciences du jeu, qui a travaillé sur la rhétorique des jeux. Enfin, comment est-ce que les jeux produisent du sens et produisent leur signification par leur mécanique même. Et Bogost, c'est « Gamification is bullshit »,
sa perspective. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, gamification is bullshit, ça ne veut pas juste dire que c'est n'importe quoi. Il a une théorie de ce qu'est le bullshit. C'est-à-dire, son idée, c'est de dire, en fait, tout ça, c'était un discours de consultant et ça n'a jamais eu vocation à être transféré vers des jeux réels. Vous voyez, c'est même pas ça ne marchera pas. C'est, en fait, ça n'a pas vocation à marcher. Et si on a agité cette histoire de gamification, au fond, c'était juste un discours comme ça managérial. Et je me dis que ça, c'est une critique que vous pouvez rencontrer. Alors, enfin, je l'extrapole, hein, peut-être que je raconte n'importe quoi et vous allez me dire « Ah non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe ». Mais je me dis, est-ce que sur le terrain, vous n'avez pas rencontré des gens qui vont vous dire « Mais en fait, est-ce qu'on a besoin de ça ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un serious game ? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de plus de temps, plus de moyens, plus de formateurs, des locaux pour accueillir correctement les patients ou je ne sais quoi ?» Et donc, avec ce soupçon que le déploiement d'un dispositif techno, bon, ben ça sert à occulter les problèmes directs de l'activité. Et si je vous dis ça, on le prend à chaque fois en pleine poire sur les projets de développement technologique. J'ai parlé de mon projet, enfin du projet pompier là tout à l'heure, avec les pompiers de Besançon, du SDIS. Quand on est avec les gars de la caserne, une fois que les chefs sont partis, une des premières remarques, c'est votre histoire de capteur, mais qu'est-ce que vous venez nous embêter avec ça? On n'a pas reçu les bottes de l'équipement qu'on nous avait promis il y a 3 ans, donc ce n'est pas la priorité. Voilà, ça serait la traduction éventuelle de cette troisième critique. Est-ce que vous adressez le bon problème en fait, avec le dispositif de type Serious Game? J'essaie d'avancer un petit peu plus vite, ouais, ça va. Il me reste peut-être une 15-20 minutes. 15 minutes, d'accord. Et puis n'hésite pas, enfin arrête-moi parce que je peux discuter longtemps. Et puis j'aimerais arriver à la conclusion. Donc ça, c'était les critiques. Du côté des game studies, des sciences du jeu focalisées sur le game design, sur la construction des mécaniques. Du côté play studies, c'est-à-dire ces sciences du jeu focalisées sur l'attitude ludique, qu'est-ce qu'on va avoir par rapport à ces perspectives serious game, gamification? Je dirais, la première prise de distance, elle est principielle. C'est-à-dire l'idée que le jeu par soi suffise à engager de la motivation, bah c'est un axiome qui est contraire, c'est une position qui est contraire à la position de base de science du jeu orientée par la perspective du play. Alors, je cite à nouveau Henriot, le jeu n'est rien d'autre que ce que fait le joueur quand il joue, donc c'est l'activité qui est première, qui est déterminante, et le game, c'est un élément dans cette activité, mais à soi seul, ça n'explique pas tout. Et puis, il y a eu aussi dans ces perspectives-là des études de terrain. Par exemple, vous avez le travail d'Emmanuel Savignac sur le déploiement de serious game ou de dispositifs gamifiés, alors pas forcément des jeux vidéo, dans le cadre du travail. Et que montre Savignac? Elle montre quelque chose d'assez... disons qu'on pouvait attendre dans cette perspective-là, qui est que pour les participants, le jeu prescrit, c'est-à-dire « allez, maintenant, on va jouer à un jeu d'entreprise pour apprendre telle ou telle chose », ce n'est pas vraiment du jeu. Ou disons que quand elle observe ces situations ludiques, le cadrage, comme on dirait en sociologie goffmanienne, le cadrage du travail est toujours présent et prime sur le cadrage du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'on est en train de jouer avec son chef, son N+1 ou ce que vous voulez comme supérieur hiérarchique, et la part du jeu en fait est contenue à l'intérieur du cadre du travail. Donc il n'y a pas de ça limite en fait considérablement les propriétés bénéfiques du jeu qu'on pourrait attendre à partir du moment où il est prescrit. Et je veux en venir à ce qui me semble être un ingrédient, enfin un cadre ou des éléments théoriques qui peuvent être intéressants pour une ludification positive, pour réfléchir à jusqu'où est-ce qu'on fabrique du jeu à partir des games. En reprenant ici ce que je vous propose, là, ce qui est dans la partie droite de la slide, les 7 éléments de définition du jeu qu'on trouve chez l'anthropologue Roger Caillois,
qui a écrit Les Jeux et les Hommes et qui est un classique de la littérature sur les jeux. Alors, c'est un bouquin de la fin des années 50, ouais, c'est à 58, j'ai la date, qui parle évidemment pas de jeux vidéo, mais dans tous les cas, il s'agit de jeux et de... cet élément de définition chez Kaywa, que j'ai remis ici, et alors le jeu est une activité libre, séparée, incertaine, improductive, réglée, fictive. Et en fait, à chaque fois, il faut concevoir que ces éléments de définition, ça fonctionne comme un gradient. C'est-à-dire que si le jeu est prescrit, obligatoire, et donc non pas une activité libre, premier critère, ben, d'une certaine manière, c'est moins du jeu. Ça abîme l'attitude ludique. Si le jeu n'est pas séparé, ça abîme encore l'attitude ludique. Si on connaît déjà l'issue ou le résultat, si on ne peut que gagner, par exemple, eh bien, à ce moment-là, on baisse aussi l'engagement ludique et ainsi de suite. Et donc, à partir de ça, peut-être que ça donne des lunettes pour jauger la part ludique, la part de play, la part d'attitude ludique qu'on va activer quand on déploie un serious game ou un dispositif gamifié. Sachant que ça pose aussi la question, à mon sens, de dans quelle direction on peut aller pour une bonne gamification et dans quelle direction on peut aller pour une gamification qui ne laisse pas tellement de place au jeu. Alors, c'est un truc qui est aussi vraiment dans la littérature sur la gamification qui est courant, enfin, d'opposer deux types de gamification. Ça fait très longtemps que les gens essayent de transférer les propriétés du jeu vers des activités sérieuses. Alors, l'exemple, ça serait le stakhanovisme en Union soviétique. Vous avez un jeu de compétition qui est imposé aux entreprises et aux employés des entreprises et dans lesquels on mesure la productivité. Bon, si on prend le stakhanovisme, je reviens sur les critères de Kaywa, c'est pas libre, c'est pas séparé, c'est sans doute incertain, peut-être que là, il reste l'élément de la compétition. C'est pas du tout improductif, au contraire, c'est engagé dans la productivité. Ça ne suspend pas les lois ordinaires et on reste dans le monde de la production et ça n'a rien de fictif. Donc, si vous voulez, la part du jeu dans cette gamification imposée, elle est nulle. Exemple inverse, si on veut regarder des moments dans lesquels le jeu est inséré dans les situations de travail, mais cette fois-ci par en bas, par les joueurs eux-mêmes, vous avez cette description des joueurs de Scrabble chez De Jour qui décrit comment des gens qui surveillent une centrale joue au Scrabble et comment cette activité de jeu soutient leur attention. Hein, ils peuvent surveiller d'une certaine manière à l'oreille la centrale qu'ils ont à surveiller. Et donc, ils jouent au Scrabble plutôt qu'à la belote parce que s'ils jouaient à la belote, ils parleraient en permanence et donc ils ne pourraient pas faire ce soutien à l'attention dans une tâche de surveillance. Là, si on essaye de réappliquer les critères, il me semble qu'on a un gradient de ludicité qui est beaucoup plus élevé dans cette situation de ludification par en bas dans le cas des joueurs de Scrabble de jour. Alors, je conclue sur ce premier versant côté ludification, puis je passerai à toute vitesse sur le versant conception orientée milieu. Peut-être ce qu'on peut garder, donc, c'est cette idée de gradient de ludicisation. Demandez-vous jusqu'à quel point c'est vraiment du jeu, jusqu'à quel point on ouvre la possibilité d'une attitude ludique, mais plus on ouvre la possibilité d'une attitude ludique, moins on contrôle finalement ce que les joueurs vont faire avec l'objet. Voilà, c'est peut-être le paradoxe. Et moi, quand je réfléchis à des exemples de bonne gamification ou de bons jeux, je pense à un des modèles que je prends souvent, c'est le modèle de ce dispositif de médiation qui s'appelait RENCRAFT. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce genre de dispositif. RENCRAFT, il y en a eu plein de RENCRAFT. Vous entendez peut-être dans RENCRAFT, Minecraft, donc le jeu de construction avec des blocs, là, avec des cubes. Et RENCRAFT, c'était un dispositif de médiation urbaine dans lequel des joueurs reconstruisaient la ville de Rennes à l'intérieur de Minecraft. Bon, ben, qu'est-ce que vous avez dans ce dispositif-là? C'est vraiment du jeu. C'est-à-dire que les joueurs s'amuse dans cette reconstruction, ce n'est pas prescrit, mais vous avez une contrainte documentaire parce que vous cherchez à reproduire
à l'intérieur du jeu la réalité des terrains ou des projets immobiliers. Donc ça, ça introduit une forme de réflexion libre sur la structure de la ville. Donc vous bénéficiez des effets d'apprentissage du jeu, mais de façon libre plutôt que prescrite. C'était aussi un type de jeu dans lequel, finalement, le temps passé devant la machine, l'ordinateur, l'écran, est marginal, ou n'est qu'un ingrédient plutôt que marginal, n'est qu'un ingrédient dans une médiation plus générale. C'est-à-dire que vous êtes accompagné, il y a des accompagnants, vous êtes devant l'écran, mais vous êtes aussi dans la rue, vous faites des allers-retours, il y a des va-et-vient. C'est-à-dire que le jeu est un ingrédient, encore une fois, dans une situation ludique. C'est l'activateur, le catalyseur, mais ça, à lui seul, il ne fait rien. Il est inséré dans cette médiation. Et puis, ça produit, dernier élément, peut-être des apprentissages buissonnants. On apprend énormément de choses, et pas simplement sur la ville, sur l'urbanisme et les contraintes urbaines. On apprend aussi des choses sur l'organisation des serveurs, sur l'architecture informatique, etc., etc. Donc là, on est dans un exemple de ludification, à mon sens, voilà, qui est peut-être orienté par le souci de l'attitude ludique, du play. Et vous voyez que le point clé, c'est qu'on s'éloigne d'une logique de gadget, quoi. C'est-à-dire de tout attendre du dispositif qui fasse par lui-même, qui fasse tout seul. Alors, on arriverait sans doute à des perspectives similaires si je développais les choses du côté de cette histoire de conception orientée milieu, mais je zappe ça et j'en viens, si vous voulez, à ma dernière slide pour qu'on puisse discuter. En fait, j'aimerais finir en vous posant des questions parce que cette affaire de développement de Serious Game je voudrais pas être désespérant parce que d'un côté j'ai présenté des critiques et puis je passe vite sur des pistes vers ce qui pourrait être une ludification, j'ai envie de dire authentique, hein, plutôt que simplement le déploiement de gadgets. Mais je pense qu'il y a un terrain. Voilà, si on fait le terrain, ce serait un terrain magnifique d'étude pour comprendre quel type de jeu peut faire sens dans cette situation-là, peut-être en dépassant l'idée du jeu comme petit gadget, dispositif fermé, qui ferait la chose par lui tout seul. Donc, voilà une liste de questions. Je me suis posé à quoi ça peut bien ressembler, leur affaire. Où est-ce que ça se joue? Est-ce qu'on le fait chez soi? Est-ce qu'on le fait à l'extérieur, en médiation? Sur quel type de support? Bon, première question. Ça change considérablement la situation ludique. Autre élément, est-ce que ça se joue seul ou ensemble? Il y a peut-être un potentiel dans le ensemble. Plusieurs patients, patients et accompagnants, je ne sais pas. Là, ça, à ce moment-là, évidemment, si vous passez dans le ensemble au même moment, dans le même lieu, c'est-à-dire que là, vous passez vers l'idée que le jeu est un ingrédient qui va produire de la discussion, de la délibération, de la confrontation, du débat, et que c'est ce qui va se passer autour du jeu plutôt que ce qui va se passer dans le jeu qui compte. Ça, c'est une variable. Est-ce qu'on est, si on imagine quelque chose en simple joueur ou bien en multijoueur, quelle est la part d'entraide ou à la place la part de compétition? Ce n'est pas les mêmes gameplays. Sachant que, évidemment, dans toute la question du déploiement des objets numériques en santé, l'un des phénomènes majeurs, c'est le fait que les patients discutent, construisent de l'auto-expertise, vont sur les forums, etc., etc. Donc peut-être que si le jeu s'insère dans cette dynamique-là, voilà, on prend appui sur ce que les gens font déjà, plutôt que de courir le risque de proposer un gadget qui restera dans l'étagère et qui ne fera pas de sens pour les gens. Quels sont les publics cibles? Ça, je pense que Vincent va vous le dire, mais tout le monde ne joue pas au même jeu, avec les mêmes types d'engagement, avec les mêmes compétences, et donc là, les variables sociodémographiques sont majeures, sont déterminantes dans le goût, même dans l'attrait pour les jeux. Quelle temporalité? C'est du jeu court, du jeu long, de l'épisodique? On y revient? Est-ce que c'est en une session? Est-ce que c'est en plusieurs? Et puis, quel type d'apprentissage est-ce que vous attendez? C'est-à-dire, un des problèmes des jeux vidéo du point de vue des apprentissages qu'on peut en faire, d'une certaine façon, c'est qu'on contrôle moins l'apprentissage que dans des situations plus cadrées, au sens où la plupart du temps, ce qu'on apprend, c'est à maîtriser un système
et en devinant soi-même les règles du jeu. Donc, c'est pas évident de faire le passage entre un apprentissage, disons, par le système ludique et puis en retirer comme ça un certain nombre de contenus analytiques précis. Voilà, conclusion de mon affaire. Ma recommandation de prudence, ce serait d'envisager le jeu non comme la solution à un problème, mais comme un ingrédient dans l'aménagement d'un milieu de soins. Voilà, je vous remercie. J'espère pas ne pas avoir été totalement désespérant, mais bon, c'est dans la discussion que ça se passe. C'était au contraire très, très, très enrichissant. Il y a eu beaucoup de réactions en direct dans le chat par rapport à cela, et en conséquence, beaucoup de choses qui nous sont revenues de façon très, très positive. Déjà les remerciements après 15 minutes de prise de parole. Donc, une question là qui est arrivée sur le chat. Quelqu'un nous pose la question. Vous dites qu'il y a une fracture entre le cadre professionnel et ludique. Est-il possible de favoriser l'immersion pour sortir davantage du cadre professionnel, et quel en serait le gain? Oui, c'est une question difficile. C'est dans le cadre de l'ouvrage de Savignac, d'Emmanuel Savignac, donc qui a observé le déploiement de jeux sérieux en entreprise, qu'elle fait cette observation de la prévalence du cadre professionnel sur le cadre ludique. Ça me semble extrêmement compliqué parce que la situation est configurée comme ça. Après, ce qu'il faut avoir en tête, il me semble, dans le cas des jeux sérieux, c'est que la comparaison que les gens font, et peut-être ça tempère cette critique, c'est pas tellement entre jouer à un jeu sérieux et jouer à un vrai jeu, entre guillemets, de façon libre et non prescrite. C'est entre jouer à un jeu sérieux et la situation, par exemple, d'apprentissage ou de formation qui m'aurait été proposée de manière standard sous la forme, par exemple, d'une conférence ou d'un webinaire. Et donc, c'est par rapport à ça que les gens font la comparaison. Donc, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, c'est irréductible. Dans tous les cas, le jeu au travail, c'est du jeu au travail, enfin, vous ne changerez pas. Et que plutôt que de faire semblant qu'il va y avoir du jeu au sens du jeu libre et non prescrit, il faut travailler en ayant en tête cette contrainte-là. Et ça n'empêche pas de faire des choses intéressantes, en sachant que, à la limite, si on a en tête que la situation professionnelle prévaut toujours, on peut faire des choses intéressantes dans ce cadre ou dans ce double cadrage, quoi. Reprendre Savignac. Merci. On laisse les internautes nous poser d'autres questions par le chat si besoin. J'en aurai une pour ma part. On a pu lire des écrits dans le cadre de notre recherche, notamment de Ryan et de Si, qui nous évoquent les motivations. Vous avez beaucoup parlé de la motivation. Et eux, donc, ont écrit sur les motivations intrinsèques et extrinsèques, avec un peu la réflexion qui est que le jeu en lui-même peut générer une motivation intrinsèque du fait qu'on peut gagner, voilà, et remporter, voilà, des challenges ou autres, et une motivation extrinsèque par rapport au fait qu'on a des bénéfices secondaires, on dira, où on va gagner en autonomie par rapport aux gains qu'on va retirer du jeu. Voilà, est-ce que vous avez une grille de lecture singulière? Parce que leurs écrits n'étaient pas forcément sur les jeux, et notamment les jeux vidéo, c'est un peu ce qui nous intéresse dans notre recherche. J'aurais sans doute une deuxième question en ce sens derrière. Mais est-ce que voilà, vous pouvez un peu nous redéfinir les contours de cette motivation intrinsèque ou extrinsèque sur la pratique du jeu vidéo? Dans le cas des travaux que je présentais, c'était lié à cette idée que on voyait, cette surprise de voir les joueurs faire des choses a priori faiblement intéressantes, parce que derrière, on avait des mécaniques ludiques de jeux vidéo. À mon avis, alors je ne vais pas présenter ça, mais le déficit de cette analyse, je crois, c'est... tout est faux, en fait. C'est-à-dire la motivation ne vient pas seulement des règles, elle vient en l'occurrence du fait que les joueurs trouvent authentiquement intéressantes ces activités qui, vues de l'extérieur, par le gamifieur, paraissent triviales. Donc, il y a une forme de mépris, en fait, considérable du jeu et du jeu vidéo dans cette approche-là que je présentais. Et à l'inverse, si on regardait, Vincent l'a fait, sur les MMORPG, il a écrit un ouvrage complet
Donc peut-être qu'il pourra détailler ça plus que moi sur les motivations et l'éventail complexe de motivation des joueurs par rapport à ces situations-là. Oui, on a accumulé énormément de travaux sur ces questions. Après, moi, la question qui me venait, moi, c'est par rapport à votre perspective de Serious Game en éducation thérapeutique des patients. Est-ce que vous entendez combler par le jeu un déficit de motivation intrinsèque à se former? Alors, ça serait la première question. Et puis la deuxième, vous voyez, je vous retourne les questions, mais je suis quand même curieux. Et puis la deuxième, c'est si c'est bien ça, si vous estimez qu'il y a bien une sorte de déficit de motivation intrinsèque, comment l'expliquez-vous, quoi? D'où vient-il, à votre avis? Oui, ça fait partie du cadre de la problématisation sur lequel, voilà, on va aussi mener des enquêtes exploratoires, hein, et de recherche en ce sens. C'est vrai qu'en ETP, déjà, on a une brique, hein, qu'on appelle l'entretien motivationnel. Donc, on voit bien qu'il y a le ressort motivationnel est questionné en éducation thérapeutique du patient. Et oui, une des questions, c'est est-ce que le jeu peut avoir une incidence par une pratique éducative autre que des pratiques plus génériques, et du coup, avoir un levier incitatif sur la motivation de l'individu, du patient, quant à ses apprentissages en matière après de développement de compétences, après les premiers apprentissages développés. Est-ce que, ce sera sans doute la dernière question, est-ce que, parce qu'on a vu que le terme « serious game » interroge les jeux sérieux, mais du coup, alors vous avez montré, hein, j'ai bien aimé par rapport à Google et du coup les recherches et la récurrence de ces termes qu'on peut retrouver par rapport à ce moteur de recherche. Jeu sérieux ne veut pas forcément entendre digital de prime abord. Mais du coup, est-ce que néanmoins, on en reviendra encore à ces questions, pourquoi pas de motivation, mais on pourrait aussi dépasser le cadre de la motivation. Est-ce que le jeu sérieux digitalisé, ça ramène quelque chose par rapport à un jeu de plateau? Vous avez parlé du Scrabble à un moment dans votre exposé. Est-ce que entre des joueurs de Scrabble sur plateau et quelqu'un comme la dame tout à l'heure qui était sur un jeu comme celui que vous présentiez de Thérèse, que vous avez renommé Thérèse dans votre présentation, est-ce que voilà, le passage à l'univers digital dans le jeu, il y a des incidences particulières? Ouais, ça me semble vraiment une excellente question. Ma première intuition, ce serait que ça présente une forme de risque finalement. Parce que une des promesses qu'on va trouver de façon très importante dans ces dispositifs, c'est celle de l'automatisation. C'est-à-dire que le jeu étant numérique, étant programmable, va être capable de s'ajuster lui-même à l'activité de l'apprenant. Et donc, il y a cette perspective d'un apprentissage qui pourrait se faire, j'ai envie de dire, simplement avec le dispositif ludique par lui-même, dans une logique qui est une logique, c'est quelque chose qu'on connaît très bien en philosophie des techniques, disons de substitution par rapport à l'activité de médiation humaine. À l'inverse, il me semble que le jeu de plateau traditionnel, lui, faisait forcément apparaître les médiations, faisait forcément apparaître... La simple perspective du plateau amène à la table, la table amène les chaises autour et amène les participants à plusieurs, et on voit que le jeu se produit entre les participants, j'ai envie de dire, à l'occasion de ce qu'il y a sur le plateau. Donc peut-être que une des qualités de ces jeux traditionnels, c'est qu'ils font apparaître cette dimension participative et ces médiations humaines comme étant constitutives du jeu. Alors que, en tout cas, ça a été un ingrédient dans la promesse du discours de la gamification et des serious games, c'est-à-dire que la possibilité d'automatiser. Or, l'exemple de Raincraft que j'ai montré, que je présente comme un exemple de ludicité positive, on est sur du jeu numérique avec tous les potentiels du jeu numérique. C'est un immense jeu, Minecraft. C'est un vrai jeu, un immense jeu. Mais il est utilisé presque, on pourrait dire, comme un jeu de plateau, c'est-à-dire dans des allers-retours entre le virtuel, si on veut employer ce vieux vocabulaire, et le réel, enfin, entre l'écran et la ville. Voilà. Et c'est cet aller-retour qui a de la valeur dans un collectif, quoi, qui apprend, qui discute et qui réfléchit. Voilà. Très bien.
Il est 14h30 passé et en plus, vous nous avez laissé entendre à plusieurs fois que M. Berry allait amener des éléments complémentaires à votre propos. Donc, on va lui laisser. Vous nous avez fait un petit teasing là qui va nous donner envie d'aller plus loin avec son propos. Vous parliez des variables sociologiques du jeu sur lesquelles il irait sans doute, les niveaux d'engagement dans le jeu, les profils de joueurs. Donc, je propose de lui laisser la place maintenant. Et puis, éventuellement, si on a des questions finales à partager avec vous deux, Monsieur Triclot, vous pouvez revenir en fin de présentation. Merci, Monsieur Triclot, puis à tout à l'heure, éventuellement. Voilà. Allez, c'est marqué. Merci à vous, Monsieur Triclot. Donc voilà, Monsieur Berry, on vous laisse la place pour cette deuxième partie. Donc, je rappelle, voilà, maître de conférence en sciences de l'éducation à Paris 13. Donc, merci beaucoup de cette invitation. On va prétendre avec Mathieu qu'on s'est coordonné et que du coup, on est parfaitement complémentaires. En fait, on connaît un peu les travaux réciproques. Donc, merci de votre invitation. Donc, l'idée, effectivement, là, c'est plutôt de… Donc, je partage absolument les analyses de Mathieu. Et moi, l'idée de ma présentation, c'était plutôt du point de vue de la recherche en éducation et plutôt de la… de la sociologie de l'éducation, avec l'idée qu'au fond, cette question de l'utilisation du jeu dans une situation, alors plus ou moins formelle, d'apprentissage, c'est plutôt une vieille question en fait de la pédagogie, et c'est une vieille question en fait des sciences de l'éducation. Et donc, je pense que parfois, on a intérêt à revisiter un peu l'histoire de l'éducation pour essayer de penser des pratiques qu'on pense disruptives, mais qui souvent renvoient à des problématiques assez anciennes. Donc, je ne vais pas vous faire une histoire de la pensée du jeu comme support d'éducation, mais je pense qu'il a des dimensions et des aspects culturels aussi qu'il faut prendre en compte dans la mise en place de ces dispositifs. Pour le dire autrement, l'utilisation du jeu… Quand on fait un peu des approches, on va dire, interculturelles de l'éducation et notamment des usages du jeu, on va voir souvent qu'on a des différences entre les pays anglo-saxons. La France a un positionnement tout à fait différent sur l'utilisation du jeu en classe, aussi bien chez les enfants que dans le champ de la formation des adultes. Et ça renvoie quand même aussi à toute une tradition parfois philosophiques ou souvent de pédagogues en fait, qui ont essayé de penser le jeu et de penser sa place dans l'éducation. Donc, on peut trouver dès l'Antiquité, au fond, une pensée du jeu éducatif, mais avec, il me semble, quelque chose qui s'est développé en France, notamment autour de Rousseau, qui a été peut-être un des penseurs du jeu en éducation le plus important, qui va au fond défendre une vision du jeu comme un espace de développement, alors fortement chez les enfants, sa pensée elle est liée à une nouvelle conception de l'enfance, mais dans un univers relativement cadré. Autrement dit, on va voir plutôt à partir du 18e au fond, deux façons de penser le jeu comme espace d'apprentissage, une vision très française et qui est peut-être explicative de pourquoi les Français ont été en pointe sur le développement des serious games et même avant sur le développement du ludo-éducatif où l'industrie en fait en France a été plutôt innovante et d'avant-garde sur l'époque du ludo-éducatif des années 90 comme Adibou évidemment on a pu croiser dans notre enfance. Il n'y a pas que ça, mais ça renvoie à l'idée qu'au fond, on a plutôt en France pensé le jeu comme un espace d'apprentissage à la condition d'être relativement cadré par l'adulte. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'assez fort, c'est-à-dire un cadrage de l'activité, d'une mise en place d'une situation où le jeu est présent, mais sous le regard de l'adulte et contrôlé par l'adulte, où on peut remplacer le mot adulte par le mot formateur. Et puis, on a progressivement aussi une histoire, alors plutôt du côté des pays anglo-saxons, et notamment en Allemagne, sous la pensée de la pédagogie de Froebel, enfin, mise en place par Froebel, où au fond, le jeu libre, c'est-à-dire le jeu pensé pour le divertissement,
a des vertus éducatives qui sont suffisantes au fond. Et il n'y a pas besoin d'y insérer en fait un autre objectif, hein, mais que donc c'est un espace de créativité. Alors c'est très lié aussi à la pensée romantique hein, allemande sur le jeu comme espace de la pensée de Schiller en fait hein, sur le jeu comme espace de création, d'expression de soi, etc. Et puis on peut voir aussi, alors plutôt là cette fois du côté des anglo-saxons, une pensée assez pragmatique du jeu, c'est-à-dire, et qui va être au fond un peu la base de l'utilisation des dispositifs de simulation, qui sont en fait un cœur important de la production des serious games. C'est-à-dire au fond ce learning by doing, qui consiste à dire, bah, au fond le jeu en tant que simulation a des effets d'entraînement, d'apprentissage qui sont tout à fait intéressants, et donc on va avoir plutôt des discours pédagogiques centrés sur ce learning by doing au fond. Voilà. Alors tous ces éléments-là ne sont pas simplement une espèce de théorie ou de pensée un peu perchée, mais qui est un peu le produit de l'histoire et qui influence, on y reviendra un peu, sur les productions et aussi sur les façons d'utiliser le jeu dans des situations éducatives. Alors, donc c'est ce que j'évoquais là. Alors là, on peut voir ces différences hein, sur la place accordée au jeu. C'est des travaux qui ont été menés bah, par mon collègue Gilles Brougère, mais aussi par Joe Tobin aux États-Unis, qui avait regardé la place en fait du jeu dans les systèmes de la petite enfance, les systèmes d'accueil de la petite enfance, hein, où on voit clairement la grande variabilité de la place accordée au jeu et qui renvoie précisément à cette histoire des pays, on va dire, ou ces histoires nationales de pensée du jeu, avec le modèle, on va dire, qu'on trouve à la fois en Allemagne, mais aussi au Canada, en partie aux États-Unis, du kindergarten, où le jeu libre est très important, hein, le jeu réglé, amené par l'adulte est moins important, et le rôle, au fond, du formateur ou de l'adulte, c'est de participer à l'activité ludique qui est proposée et choisie. Et qu'on va voir plutôt sur le système, par exemple, des écoles maternelles, où parfois, quoi qu'en disent hein, les enseignants, le jeu, en fait, est relativement restreint, au sens jeu libre, hein, il est plutôt relégué à la cour de récréation. Ce qu'on va trouver comme activité en classe sont plutôt des exercices, alors on reviendra hein, plus ou moins gamifiés, mais qui posent les questions, au fond, que Mathieu a évoquées, c'est-à-dire introduire un jeu en classe comme une forme d'activité imposée, ben, ça transforme évidemment le rapport de l'activité ou la façon de percevoir l'activité. Alors, toujours pour peut-être cadrer un peu cette histoire-là et puis montrer que tout ce qu'on a évoqué autour de la gamification, ça réactive des éléments qui ont déjà été étudiés et qui traversent l'histoire hein, du jeu. Quand on fait une histoire un peu du jeu, on se rend compte que ben, très tôt, cette question d'utiliser le jeu comme dispositif alors, d'enseignement, même le développement en fait, du jeu de société, ce qu'on va appeler jeu de société moderne, c'est-à-dire le jeu de société sous copyright, hein, produit par des éditeurs, c'est plutôt la fin du 19e, en partie aux États-Unis et en Angleterre. On va voir très tôt qu'en fait, les premiers jeux de société sont souvent des jeux à vocation morale. Le jeu de loi vient de là. Et puis, un des grands succès, par exemple, de la fin du 19e dans les jeux de société, c'était un jeu qui s'appelait The Mansion of Happiness, qui était la demeure du bonheur, hein, on pourrait le traduire comme ça, qui était en fait une ressucée, on va dire, du jeu de loi, mais qui avait comme vocation à vous apprendre à mener une bonne vie, au sens moral, hein, c'est-à-dire chrétienne et plutôt catholique, hein, et donc il fallait éviter les péchés pour arriver à la félicité. Bon, je pense que ce serait même happiness, plutôt la traduction, ce serait la félicité. Donc il y a toute cette histoire-là aussi du jeu de société qui s'est construit dans ses formes, on va dire, un peu modernes, dans un premier temps, pas du tout autour des questions d'éducation, mais pas du tout autour des questions de divertissement, mais plutôt hein, sur des questions d'éducation. Et donc, on va regarder 18e, 19e, on va voir le développement de toute une production, hein, presque un premier serious game qu'on trouve au musée de l'éducation à Rouen, qui est un jeu de cartes pour enseigner la botanique aux enfants, qui était pris dans la pédagogie d'Oberlin. Hein. Mais on a toute cette tradition-là. Donc là, je vous fais un... Si vous allez à Rouen, allez voir le musée national de l'éducation, vous avez toute une histoire du matériel pédagogique et on trouve
en fait assez tôt des traces hein, de cette utilisation du jeu comme un dispositif d'apprentissage. Ça peut, alors, sur des questions très, souvent très scolaires, hein, de format scolaire, il s'agit d'apprendre les grandes figures monarchiques, donc un peu d'histoire, un peu de géographie, peut-être en fouillant dans vos greniers, ce qui m'était arrivé de trouver les lotos qu'on donnait aux enfants pour leur apprendre la carte de France, tout un système qui correspondrait un peu aussi à ce qu'on va trouver beaucoup dans le Serious Game, qui sont en fait des quiz. Hein. Alors, on va les illustrer, on va y mettre une dimension parfois un peu fictive hein, pour produire une rhétorique du jeu. Mais il me semble que là, il y a une filiation assez importante entre ce qu'on va trouver aujourd'hui dans le champ des Serious Games et puis l'histoire de ces produits-là. Alors, c'est une histoire à la fois, c'est une vieille histoire de la pédagogie, mais c'est aussi une histoire des techniques. C'est-à-dire qu'il me semble que, et en fait, ça renvoie un peu à la question que vous posiez à Mathieu sur en fait, le jeu de société, le jeu vidéo. Mais quand on fait une histoire, par exemple, du matériel pédagogique, on se rend compte qu'à chaque innovation technique, ça réactive d'une certaine manière toute cette réflexion pédagogique sur utiliser le jeu en classe. Quand on regarde l'émergence du le vidéoprojecteur, les tableaux numériques ont envahi les classes et il faut voir à un moment ce qui a été le début des premières lanternes magiques hein, qui permettaient de projeter des images et on trouve aussi quelques formes de jeu autour de ces dispositifs techniques. Les visionneuses également, hein, on a des traces voilà, de jeux hein, qui sont utilisés en classe hein, pour l'enseignement, mais présentés sous des formes de jeux. Alors, il me semble que ce qu'on voit, donc cette histoire des techniques, elle a amené, notamment en France, à une forme d'innovation ou d'avant-garde, en tout cas très forte, hein, des Français, avec à partir du milieu des années 80, hein, le plan informatique, qui s'appelait le plan informatique pour tous, promu, je crois, c'était par, vous corrigerez, mais je crois que c'était Laurent Fabius à l'époque, et donc qui a été un moment à la fois d'équipement massif hein, des classes d'ordinateurs à l'époque de Thomson, hein, aussi dans un soutien de l'industrie française, hein, mais bon, qui correspond aujourd'hui, on a vu, au développement des tableaux numériques. Et donc, donc pour nous, c'est intéressant parce que on oublie un peu cette histoire-là. Il y a quelques travaux hein, dans les années 80 qui sont intéressés à la fois aux usages et à l'efficacité, alors, avec toutes les limites méthodologiques hein, des enquêtes, hein, mais à l'efficacité de ces ordinateurs en classe, à l'utilisation, aux problèmes qui sont posés. Parce qu'en plus, avec ces ordinateurs, c'est TO5, c'est TO8 ou TO7 qui étaient dans les classes, on a eu une production française très forte de jeux ludo-éducatifs, hein, donc qui consistait plutôt à déguiser des exercices scolaires hein, par des couleurs attrayantes, par, Mathieu l'a évoqué, des systèmes de pointification, c'est-à-dire des points, des scores, etc., des graphismes, voilà, supposés un peu ludiques. Et donc, pour reprendre plutôt les termes de Gilles Brugère, en fait, tout ce mouvement du ludo-éducatif des années 80, 90, c'est plutôt une rhétorique qui est mobilisée plus qu'une utilisation vraiment des mécaniques de jeu. C'est-à-dire, je reviendrai là-dessus, le Serious Game s'est défini un peu par ce qu'expliquait Mathieu, c'est-à-dire, si on prenait des mécaniques de vrais jeux, c'est-à-dire de jeux joués pour le divertissement et qu'on les insérait dans une situation formelle, le ludo-éducatif des années 80, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire on part de l'exercice et du savoir visé et puis on va le déguiser. Donc, en termes de design, c'est très différent. Dans un cas, on part tout de suite de l'exercice qu'on maquille et de l'autre, on part d'un jeu et on essaie de l'amener vers une forme éducative. Et je reviendrai là-dessus parce que ça, justement, ça… En termes de réception par les élèves, c'est tout à fait, enfin, ces dispositifs sont tout à fait différents. Et pour anticiper un peu ces résultats, c'est-à-dire pas mal de travaux, notamment ceux de Michel Lavigne qui a évoqué Mathieu, montrent qu'au fond, les élèves sont rarement dupes des jeux et souvent ils sont déçus. C'est-à-dire, effectivement, ils voient un jeu, on leur présente un jeu vidéo.
Et puis, il voit bien que tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à la promesse habituelle d'un jeu vidéo en termes d'immersion, en termes de plaisir de jeu. Alors qu'au fond, le ludo-éducatif est souvent moins déceptif parce qu'on repère très tôt la forme scolaire. C'est-à-dire qu'au fond, on voit que c'est un exercice et donc le malentendu est souvent un peu moins grand que sur des promesses de jeu. Donc, effectivement, ce qui est intéressant dans le développement de cette histoire hein, du jeu sérieux, c'est un peu sa rupture avec le ludo-éducatif des années 80, où clairement on voyait la forme scolaire. Hein, je vous ai mis une image pour les personnes les plus nostalgiques d'Adibou, mais c'était des produits, au fond, où la forme scolaire était très visible. Hein, donc, Adibou, typiquement, il n'y a pas qu'Adibou, hein, mais vous aviez la forme scolaire qui apparaissait, c'est-à-dire… Pour l'anecdote, Adi, ça voulait dire agent didacticiel intelligent. C'est-à-dire, c'est l'enseignant, en fait, Adibou, hein, le personnage, et c'était un découpage de l'activité. D'un côté, on va faire des maths, d'un côté, on va faire du dessin, on va faire un peu de français, etc. Donc, on avait une forme scolaire qui était présente dès le début, une forme éducative. Hein, le savoir était clairement là. Enfin, la visée éducative était clairement perceptible. Et puis, on essayait, à partir de là, en termes de design, de maquiller, de déguiser, d'habiller, de structurer avec des dimensions ludiques qui pourraient être très souvent des dimensions, on va dire, graphiques, esthétiques. Hein. Mais le processus était de partir des savoirs pour aller vers le jeu. Et la rupture, effectivement, des années du serious game à partir des années 2000, c'est plutôt de faire l'inverse, c'est-à-dire de partir du jeu en se disant, ben, au fond, voilà, il y a des joueurs de Civilization, il y a des joueurs des Sims… tout ce qu'évoquait Mathieu, hein, il a très bien dit. Et au fond, comment est-ce qu'on peut partir de ces formes-là, de ces jeux-là, pour les amener à des formes d'apprentissage. Donc, en termes de démarche pédagogique, de réflexion didactique, c'est assez différent, au fond. Et ça a réactivé dans le même temps tout un usage, toute une réflexion de l'utilisation du jeu en éducation. Alors, si on regarde un peu aujourd'hui ce que le terme jeu sérieux, au fond, regroupe, hein, on peut distinguer, il me semble, plutôt trois ensembles de produits qui sont labellisés jeux sérieux, alors qui ont un peu disparu sous le terme, comme Mathieu l'évoquait, de gamification. Mais ce qu'on peut trouver, au fond, c'est d'abord des jeux pensés pour l'apprentissage, hein, clairement, ce qui me semble renvoyer plus particulièrement à la notion de serious game, c'est-à-dire des dispositifs où il y a un système d'arborescence des compétences, parfois d'évaluation du niveau de compétence. Et donc, on va voir, le ludo-éducatif n'est pas mort hein, non plus, hein, il existe encore, hein, il a survécu, mais où la question de l'apprentissage est complètement intégrée dans le dispositif. Et ça, c'est effectivement une forme assez importante quand on regarde les travaux en éducation sur les usages. En fait. Qu'est-ce qu'on trouve comme usage? On trouve quelques usages de serious game, c'est-à-dire de jeux vraiment pensés. Alors, dans les collèges, ça peut être Sauvons le Louvre ou des choses comme ça. On en trouve pas mal, beaucoup dans les disciplines éco-gestion. En fait. Ce qu'on va trouver comme ensemble de produits et de pratiques, hein, c'est plutôt, alors je reprends le terme, je crois que c'était Julien Alvarez qui l'avait développé, de serious play, c'est-à-dire on ne va pas prendre des produits nécessairement labellisés serious game ou éducatifs, mais on va utiliser des jeux du commerce hein, et on va les utiliser pour une situation d'enseignement. Donc, vous avez par exemple des utilisations d'Assassin's Creed. Alors très souvent, les historiens en fait sont… Il y a un truc chez les historiens, en fait, d'utiliser le jeu en classe. Hein. Et donc, on va utiliser Assassin's Creed sur la, je crois que c'est Trinity, je ne sais plus, sur la Révolution française. On va utiliser parfois Civilization, Kingdom, enfin, toute une série de jeux qui sont vendus dans le commerce pour le divertissement. Et on va les utiliser en classe. Hein. Donc ça, c'est une forme d'usage pédagogique, mais on verra qu'il suppose un travail très important de l'enseignant pour mettre en relation le jeu lui-même et les savoirs et les apprentissages visés. Et puis, ce qu'on va trouver aussi, c'est plutôt des jeux alors qui sont moins sur des apprentissages scolaires, mais plutôt sur des formes de sensibilisation, à la fois politique, des jeux sur, je ne sais pas moi, le harcèlement, par exemple, ou la cybersécurité,
ou sur les méfaits de l'alcool. Hein, on va trouver beaucoup de jeux qui fonctionnent moins sur des logiques strictes d'évaluation que sur des sensibilisations, des logiques de sensibilisation politique ou commerciale. Alors, donc concrètement, hein, dans les pratiques, on va trouver effectivement beaucoup d'exerciceurs hein, dans les usages en formation, principalement. On trouve c'est en école primaire, hein, c'est tous ces exerciceurs hein, qui sont en fait des logiques d'exercice déguisé avec un système de points, en fait, qui est simplement un exercice scolaire, qui n'a pas disparu quand on fait des enquêtes sur les pratiques, parce qu'on voit alors plutôt chez les cadres supérieurs et les classes moyennes, mais par la tablette, en fait, il y a eu un renouveau du ludo-éducatif qui effectivement avait un peu disparu au tournant des années 2000, mais qui est revenu en fait sur les tablettes et on avait fait une enquête avec un collègue pour garder les applications pour enfants les plus téléchargées, la dictée Montessori, les adaptations de passeport, en fait, hein, qui sont, vous avez les cahiers de vacances, voilà. Donc, c'est des produits largement diffusés, en fait, qui sont plutôt invisibles, hein, dont on parle peu, mais qui restent, en fait, très, très vivants. Donc, c'est des pédagogies de l'entraînement, hein. C'est des logiques d'évaluation, plutôt sur des logiques de savoir. Hein. Donc, ce qu'on ne va pas tellement mesurer, c'est la compétence, c'est-à-dire la capacité à agir, mais plutôt des savoirs déclaratifs, hein, etc. Donc, on va trouver des usages et souvent aussi des usages de plus en plus chez les enseignants sur des modèles un peu de classe inversée, c'est-à-dire qu'on va donner des liens aux enfants pour qu'à la maison, ils puissent utiliser, dans le cadre de leurs devoirs, qu'ils puissent utiliser ces jeux. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Hein. Alors, quand on regarde un peu les discours des enseignants là-dessus, qui mobilisent un peu ces pratiques, hein, souvent, ils valorisent le caractère dans les effets positifs qui sont parfois donnés, en fait, hein, dans ces usages-là. C'est le caractère relativement neutre de la machine, au fond, être évalué par un enseignant, c'est très différent d'être évalué par un dispositif qu'on peut largement insulter ou soupçonner de tricher, ce qui peut être le cas aussi d'un formateur, mais en l'occurrence, il y a un jugement, il y a quelques travaux qui montrent quand même que le jugement est un peu moins violent quand c'est une machine qui vous donne un score. Et puis, quelques travaux qui vont montrer aussi cette forme d'égalité apparente hein, des chances par un entraînement répété. C'est-à-dire, c'est des dispositifs où, au fond, la répétition fera qu'au bout d'un moment, vous pouvez en fait, augmenter. Il y a des savoirs implicites sont un peu moins forts et donc, il y a une explicitation, au fond, de ces dispositifs-là. Alors, à l'inverse, hein, il y a d'autres controverses hein, sur ces dispositifs de type, effectivement, ça mesure des savoirs. Il n'y a pas vraiment d'analyse de réponse. Hein, donc, on va vous faire, je pense à un serious game sur, je crois que c'était Sauver une vie qui avait été analysé par un de nos étudiants avec un jeu de formation sur les premiers gestes. Alors, non, ce n'était pas celui-ci, c'était un autre où il n'y avait pas, en fait, on vous disait que vous aviez, que c'était un jeu pour apprendre les gestes, les premiers gestes, les gestes pour secourir quelqu'un qui fait une attaque cardiaque, quelque chose comme ça. Et en fait, le jeu vous disait en permanence, c'est faux, c'est pas ça, mais il n'y avait pas vraiment d'accompagnement, d'explicitation de la raison pour laquelle vous aviez tort. Donc, c'est des critiques qu'on fait souvent à ces dispositifs. Hein. Donc, il y a peu d'utilisation, on va dire, pédagogique de l'erreur. Et au fond, c'est une vision assez comportementaliste, hein, c'est-à-dire c'est la répétition de la même action par un système de récompense hein, qui renvoie presque aux théories de Skinner, où bah, au bout d'un moment, on va vous récompenser jusqu'à ce que vous ayez le bon geste ou la bonne réponse. Alors, ce qu'on va trouver également dans ces dispositifs de simulation, hein, on a perdu votre son, Monsieur Berry. Monsieur Berry, on ne vous entend plus. Oui, vous m'entendez? Là, vous êtes revenu. Voilà. Merci. Ah, je suis revenu. En fait, j'ai fait l'erreur de bouger mon iPad. Je ne le bouge plus. Donc, dans les pratiques pédagogiques qu'on va trouver, c'est aussi, alors, il y a les exerciceurs et puis beaucoup de logiciels de simulation hein, qui sont alors des logiques pédagogiques un peu différentes, c'est-à-dire
c'est plutôt des dispositifs où on va mettre, alors qui fonctionnent plutôt sur des logiques de compétences que de savoir, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de mesurer le bon geste, hein, voilà, et qui pédagogiquement sont moins sur des logiques un peu, enfin, peuvent être un peu comportementalistes, mais qui sont sur des logiques plutôt ce qu'on appelle le frayage, c'est-à-dire au fond, c'est votre, ou ce que les didacticiens appellent les situations adidactiques, c'est-à-dire vous êtes dans un milieu et c'est par l'expérimentation de ce milieu, de ce que le milieu peut faire, des feedbacks de ce milieu-là, que vous allez avoir au fond des formes d'apprentissage. Et ces logiques de simulation, de serious game par la simulation, on les trouve hein, pas mal en évidemment dans le champ médical. On le trouve aussi un peu dans le champ de la physique, hein, sur des dispositifs où on va expérimenter dans le jeu des forces. Je pense à un jeu de ce type-là qui s'appelle Force Bridge, où il s'agit en fait de construire des ponts et qui vous fait comprendre à un moment des questions physiques. Et on trouve aussi beaucoup en économie, hein, où on vous met en situation de gérer une entreprise. Et puis, vous n'avez pas nécessairement de consignes très très claires, hein, mais c'est par l'expérimentation, par l'essai-erreur que vous allez essayer de comprendre quels sont les bons gestes ou les bonnes procédures à respecter. Je vais passer. Alors, le dernier point qu'on va trouver, et Mathieu l'a évoqué, hein, sur les usages du jeu en éducation, c'est la question de la gamification des situations de classe. Alors, effectivement, une logique, je partage ce que disait Mathieu sur son analyse, c'est-à-dire la gamification, ce n'est pas seulement l'utilisation de serious game, mais c'est plutôt l'émergence de dispositifs numériques dans les activités ordinaires. Et donc, on va trouver dans les classes de plus en plus, dans le champ de la formation des enfants, mais aussi des adultes, hein, des dispositifs de type World of Classcraft ou Survive on Mars, c'est-à-dire l'activité, elle va être pointifiée ou elle va être scénarisée, ce qui est le cas de World of Classcraft, hein, où il s'agit de créer un personnage, mais votre personnage, en fond, va gagner des points, va gagner de l'équipement, va se développer en fonction des activités, de la réussite des activités en classe. Donc, si vous avez bien réussi votre devoir de maths ou de physique, hein, vous allez gagner des points. Donc, il y a une sorte d'hybridation, on va dire, entre un dispositif numérique qui est censé reprendre des mécaniques de jeu et puis l'activité scolaire ordinaire. Le dernier point aussi, hein, qu'on peut évoquer dans ces éducations par le jeu et qu'on peut observer en classe, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des utilisations de jeux conçus pour le divertissement à des fins plutôt éducatives. Donc, le projet Minecraft at School, par exemple, l'utilisation, un chercheur chez nous, Romain Vincent, qui lui-même enseignant d'ailleurs, hein, qui a été un des chercheurs qui ont rendu, un des enseignants et maintenant chercheurs qui ont rendu un peu visible ces pratiques d'enseignants, hein, d'utilisation du jeu. Mais quand on regarde dans les faits, on se rend compte que très souvent, en fait, le jeu disparaît au profit de la scolarisation du jeu. C'est-à-dire qu'autrement dit, le jeu devient un document sur lequel on travaille, plus qu'un jeu auquel les étudiants ou les élèves participent. Donc, c'est très souvent en fait une scolarisation du jeu et qui, au fond, rend l'intérêt, entre guillemets, du jeu, enfin, ou la singularité du jeu par rapport à un film, un peu invisible, c'est-à-dire montrer quelqu'un qui joue Assassin's Creed, ou regarder le film d'Assassin's Creed ou un film d'Assassin's Creed n'a pas de propose pas pédagogiquement de grandes différences. Alors, pour finir un peu sur ce bouclage, hein, des pratiques, ce qui est aussi très étonnant, ça, il y avait le travail de Nathalie Roupousse et Aymeric Brody, c'était quand même le décalage entre ce développement des serious games en termes de littérature, de recherche, Mathieu a évoqué tous ses travaux, et la réalité des usages. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'assez étonnant quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de travaux. Hein, c'était sur Google Book que Mathieu avait regardé, mais si vous faites de la bibliométrie dans le champ des sciences de l'éducation sur les serious games, vous allez avoir une inflation de travaux sur l'utilisation des serious games dans le champ de l'éducation.
Et puis, quand vous regardez à partir des enquêtes empiriques, vous vous rendez compte qu'ils sont très peu utilisés en réalité. Donc, les enseignants les utilisent très peu, les formateurs des adultes les utilisent très peu. Et donc, il y a quelque chose d'assez troublant parfois sur l'abondance de réflexion là-dessus et la réalité au fond des pratiques. Donc, l'enquête, en 2009, il y avait une enquête assez intéressante, l'European Schoolnet, sur les usages, hein, et qui montrait que c'était relativement faible. Voilà. Alors, le dernier point de cette réflexion sur les usages pédagogiques, c'est souvent des réflexions. Alors, on a quand même quelques retours d'expérience des enseignants, je reviendrai là-dessus. Et puis, on a aussi toute une théorisation des bienfaits éducatifs du jeu vidéo, mais que Mathieu a un peu évoqué, mais qui a été très à la mode en fait dans cette période du début des années 2000. Qui consistait en fait à essayer d'analyser pourquoi le jeu vidéo aurait des propriétés intéressantes hein, pour la formation. Et donc, alors un des auteurs qui a été très important dans ce mouvement pas de militantisme, mais en tout cas d'entrepreneuriat du jeu vidéo en classe et dans le champ de la formation, c'est James G. Hein. Qui avait sorti un ouvrage qui reste toujours très intéressant, hein, qui s'appelait, alors pour le traduire en français, c'est « Ce que les jeux vidéo ont à nous apprendre de l'enseignement ». Et donc, il avait fait plutôt alors, une analyse très théorique, hein, mais en montrant qu'au fond, le jeu vidéo avait des propriétés didactiques très intéressantes. Hein, donc, le caractère actif et intégré, c'est-à-dire au fond, contrairement à la forme scolaire où les savoirs sont détachés des pratiques. Ici, c'est le fameux tutoriel ou la fenêtre qui apparaît quand vous avez besoin d'aide, hein, vous êtes bloqué dans le jeu. Alors, le caractère très inductif hein, du jeu vidéo, et ça, c'est par contre une des ruptures avec le jeu de société éducatif, c'est-à-dire que le jeu de société fonctionne sur des logiques déductives, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer aux échecs en devinant comment ça se joue. Vous ne pouvez pas manipuler les pièces et en vous disant, ben tiens, donc, alors que le jeu vidéo fonctionne sur des logiques complètement inductives et qui fait qu'au fond, c'est par la manipulation, c'est par l'engagement que vous produisez tout d'un coup une compréhension du système. Donc, les règles s'apprennent à mesure que le jeu se fait. Et donc, pour des théoriciens de l'apprentissage psychologie, c'est des choses qu'il faut valoriser. Le principe des feedbacks aussi, hein, dont on sait que parfois c'est un des problèmes didactiques, c'est-à-dire vous faites un devoir et puis vous êtes très mal engagé dès le début et puis vous ne le savez pas et c'est uniquement au moment où vous allez faire quelque chose qu'on va vous dire que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Donc voilà, donc on va… G et d'autres hein, vont essayer de montrer tout l'intérêt hein, en termes de propriété du jeu hein, sur l'utilisation du jeu en classe. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les éléments. Alors, par contre, donc tout ça, c'est, on va dire, on a une littérature en termes de retour d'expérience, de réflexion pédagogique. Mais dès que les sociologues, notamment de l'éducation, commencent à s'intéresser concrètement aux effets, on a des études sur tous ces usages-là, qu'il s'agisse de logiciels de simulation, de serious play, de gamification, on a des études en fait assez contradictoires en termes d'efficacité. Alors, toutes les difficultés, c'est que les enquêtes sont souvent très discutables hein, en termes de méthodologie, parce que c'est mesurer l'efficacité de tel dispositif sur un autre dispositif, même en respectant, très d'actualité, surtout en médecine, hein, la question des groupes contrôles ou des choses comme ça. Mais bon, il y a quand même des travaux qui essaient de faire des méta-analyses sur l'ensemble des enquêtes en essayant de sélectionner celles qui sont comparables. Hein, et on arrive plutôt à des résultats assez contradictoires, c'est-à-dire avec quelques éléments de convergence. C'est-à-dire qu'on trouve que il y a eu quelques essais sur enseigner, par exemple, l'histoire à l'aide de jeux vidéo ou à l'aide de documents classiques, enseigner tel ou tel type de savoir avec un jeu vidéo ou sans jeu vidéo. Et on se rend compte que, globalement, on n'a pas d'efficacité. C'est-à-dire, si on regarde les évaluations, vous n'avez pas de grande différence, en fait, entre une pédagogie traditionnelle de type transmissive et puis du jeu vidéo, même si j'en reviendrai, il y a quand même quelques enquêtes qui montrent des différences. Mais
La question de l'amélioration et l'efficacité reste toujours disputée et chaque mesure, vous avez une enquête qui dit si on a mesuré un gain de là-dessus, puis d'autres qui vous disent non, pas du tout. Par exemple, il y avait un travail qui avait été fait sur le Kawashima utilisé, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces jeux-là, le docteur Kawashima, qui est en fait un ludo-éducatif classique, un exerciceur, hein, où c'est des tests de logique. Hein, et puis, bon, on s'est rendu compte que ça n'avait pas de grosses différences. Alors là où les travaux aussi convergent quand même, hein, c'est, enfin convergent en tout cas, ou ce qu'on peut voir dans cette littérature-là, qui c'est vraiment de mesurer empiriquement les effets, c'est le caractère très différencié des engagements. Donc Mathieu a évoqué le travail de Michel Lavigne, mais il a fait aussi, enfin, dans ses travaux aussi, ce qu'il montrait, c'était parce qu'un des discours très, très abondants, c'est la question de la motivation. Et ce qu'il montre très bien, c'est que les motivations sont très différenciées. C'est-à-dire ceux qui ont une grosse, il montrait que ceux qui ont une grosse culture du jeu vidéo, en fait, était très vite déçu, ce qui est un peu logique. Et lui et d'autres chercheurs ont aussi montré que les bons élèves, généralement, étaient les plus hostiles à ces dispositifs-là, parce que, en fait, généralement, ils sous-performent sur un dispositif pédagogique traditionnel. Donc, il y a ces effets de différenciation très forts. Alors, il y a quelques travaux là qui convergent, c'est l'estime de soi, c'est-à-dire le sentiment de progression, en fait, même s'il n'est pas nécessairement vrai, en tout cas dans la perception du sentiment d'avoir une chance de progresser, les jeux vidéo ont ce petit avantage, hein, sur des pédagogies plus traditionnelles. Alors, ce que les méta-analyses nous disent, au fond, c'est, et ce sur quoi on arrive à peu près à se mettre d'accord dans le champ de la recherche en éducation, c'est que les jeux sont très rarement efficaces lorsqu'ils sont donnés en pratique solitaire. C'est-à-dire qu'en fait, Mathieu aussi l'a évoqué, c'est-à-dire ce qui a justifié ce mouvement des serious games en éducation, ça a été aussi parfois des réductions de coûts, hein, en disant au fond, on va mettre un serious game, alors très fortement dans la formation des adultes. Hein. Par exemple, chez Renault ou L'Oréal, ont développé beaucoup de serious games pour. Alors, il y en a un, c'était pour enseigner aux concessionnaires à vendre et à gérer en fait leur concession. Mais il y a aussi des effets où ça coûte beaucoup moins cher. Hein. L'Oréal avait fait ça, c'était plutôt pour l'utilisation pour les coiffeurs de produits L'Oréal. Mais on se rend compte qu'en fait, ils sont en fait sans accompagnement, ils marchent pas. Voilà, enfin, ils sont plutôt même moins bons que. La pédagogie qui était habituelle. Donc, les jeux qui sont en fait des arbres de décision, hein, sont pas très, très particulièrement efficaces. Et aussi, on s'est rendu compte que l'utilisation juste unique d'un jeu en disant « Tiens, cette séance-là, on va utiliser un jeu », ça n'a pas grande, grande efficacité. Là aussi, parce que je vous dis, les études sont assez contradictoires. Donc, vous allez trouver quelques travaux qui montrent des effets, d'autres qui sont plutôt… plutôt sceptique. Là où, en fait, on est à peu près d'accord, c'est ce qu'on n'arrive jamais à voir dans les enquêtes qui montrent un gain, on va dire, en termes d'engagement, en termes d'efficacité, en termes d'estime de soi. On ne sait pas si c'est le jeu lui-même ou si c'est le caractère actif de la pédagogie. Ça, c'est vraiment les travaux Sixman qui montrent très bien ça à partir de l'analyse de la littérature. C'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est la rupture de la pédagogie traditionnelle qui produit cet effet d'engagement ? C'est-à-dire, on va jouer, mais on pourrait dire, on va au musée ou on va sortir dehors, qui produit en fait les effets positifs remarqués en termes de motivation ou d'apprentissage. Et puis, ce qu'a très bien montré Samuel Coavou aussi, un collègue qui avait analysé aussi la littérature, c'est-à-dire que plus on essaie de mesurer les effets du jeu en termes de performance, d'engagement et de motivation, c'est souvent les trois domaines qu'on essaie de mesurer. En fait, plus on est précis et moins l'effet est visible. C'est toujours un peu inquiétant. Donc, pour terminer, je ne sais pas, il me reste combien de temps ? Eh bien, vous pouvez terminer tranquillement. Ah bah, c'est parfait. On va faire les questions dans un peu moins de 5 minutes. Allez-y. Donc, là aussi, je ne voudrais pas désespérer Billancourt, mais c'est-à-dire, au fond, sur les enquêtes qu'on a, ça invalide pas du tout l'intérêt d'utiliser le jeu. Par contre, on arrive aujourd'hui à un consensus pour montrer que tout ce qu'on a pu penser, en fait, de ses propriétés en termes d'apprentissage actif, d'intégration, empiriquement, se révèle pas si important que ça.
peut voir certains effets sur certains jeux, sur certains publics. Et donc, du coup, on commence un peu à s'interroger, notamment les sociologues de l'éducation, commencer à s'intéresser, au fond, à cette variabilité d'efficacité des jeux et essayer de comprendre pourquoi, dans certaines situations, ça semble produire un intérêt et dans d'autres, non. Alors, ça renvoie à la qualité de l'enseignant, à la qualité du jeu, évidemment. Mais c'est aussi beaucoup d'éléments, alors particulièrement pour les enfants, à des effets de disposition au jeu. C'est-à-dire qu'un des points aveugles très souvent des enquêtes, c'est qu'on suppose au fond que le jeu est une culture, enfin que tout le monde a une culture ludique et qu'elle est relativement partagée. Et parfois, on a une vision un peu naturalisée du jeu. C'est-à-dire au fond, on se dit il suffit de mettre des gens devant des dispositifs de jeu pour qu'ils jouent. Enfin, ça, c'est la vision, on va dire, très game-centric, hein. Le jeu a des propriétés tellement engageantes que les gens vont se l'approprier. Or, dans les faits, on s'en rend compte que non, et on se rend compte aussi que, à partir d'enquêtes hein, qu'on a pu mener avec des collègues, notamment une avec Mathieu qui était sur Ludespace, c'est qu'au fond, les cultures ludiques sont assez différenciées. C'est-à-dire que selon selon les âges, il y a des effets de culture ludique, mais qui sont plutôt faibles. C'est-à-dire que sur l'enfance et l'adolescence, dans le jeu vidéo, les enfants, les écarts de culture vidéoludique sont relativement faibles. Mais dès que vous commencez à rentrer chez les adultes, vous vous rendez compte qu'il y a des différenciations très fortes, des gens qui ne connaissent pas certains jeux. Hein. Et donc, du coup, une des difficultés pédagogiques d'utilisation du jeu en classe ou dans une situation de formation, c'est de minimiser cette culture ludique et c'est très clairement de complexifier une activité. Alors, c'est très visible dans le jeu vidéo, mais c'était vrai aussi dans la pratique du jeu de société en France. On avait fait des expériences où on s'était rendu compte qu'on se dit, bah, tiens, je vais utiliser un jeu de société de type les colons de Catane. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez les colons de Catane, mais on se rend compte qu'en fait, il y a eu un très bon travail aussi mené par un collègue, Michael Huchette, où on utilisait un jeu en classe, on s'était dit, on va emprunter une mécanique des colons de Catane pour enseigner, c'était sur introduire un peu sur les questions d'architecture. Et puis, on s'est rendu compte que, en fait, vous étiez en train de complexifier la tâche parce que les enfants ne savaient pas jouer au colon de Catane. Et donc, ce qui était censé en fait, engager encore plus, rajouter et complexifier l'activité parce qu'il fallait d'abord apprendre à jouer et puis ensuite pouvoir accéder au savoir qu'on avait mis et aux activités qu'on avait mis dans le jeu. Donc, il me semble que c'est peut-être la préconisation que je donnerais, ou en tout cas, c'est de ne pas sous-estimer les effets de culture ludique des gens dans leur façon de s'engager ou pas dans une activité ludique. Des gros joueurs de jeux vidéo, c'est ce qu'on montrait assez bien Lavigne, en fait, voient très bien le caractère, on va dire, comme Mathieu l'évoquait, c'est-à-dire très décevant de l'activité. Et inversement, des gens avec des pratiques faibles sur des dispositifs de jeux vidéo, en fait, sont dans un rapport plus difficile à l'enseignement visé parce qu'il y a un coût d'entrée qui est en fait très élevé, beaucoup plus élevé que ce qu'on pouvait penser en se disant ah, le jeu vidéo est très actif, très intégré, c'est un modèle inductif. En fait, ce n'est absolument pas évident du tout. Donc là, je vous montre, enfin, je passe ces tableaux-là, c'était pour vous montrer des différenciations hein, dans les formes de pratique aussi bien de jeux vidéo que de jeux de société. Donc voilà, pour terminer là-dessus, je dirais qu'au fond, ce sur quoi aujourd'hui les chercheurs en éducation et ceux qui s'intéressent en fait à la question des usages du jeu en éducation sont plutôt sensibles, c'est à essayer de comprendre les effets de la culture ludique dans l'appropriation et l'échec ou non l'utilisation du jeu en classe. Et je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Berry, pour votre exposé qui a été très éclairant. Alors, certes, pour l'équipe de recherche en place, vu les nombreuses questions que nous nous posons après une revue de littérature et puis maintenant cette série de webinaires, et vous avez continué encore d'interroger, mais c'était aussi le but de ces webinaires, hein, pas forcément d'arriver qu'avec des éléments posés et arbitraires, mais au contraire de nous éveiller encore à une réflexion supplémentaire par rapport à cet exposé. Si vous voulez, vous pourrez arrêter le partage d'écran pour qu'on vous revoie en vidéo au besoin.
Voilà, c'est très bien. Alors, on laisse les internautes nous poser des questions au besoin. J'en aurai qui sont un petit peu, enfin, qui sont complètement en lien avec votre intervention et puis sans doute qui feront écho à l'intervention de M. Triclot. Vous avez beaucoup proposé d'éléments de réflexion autour de la pratique du jeu chez l'enfant, dans le modèle scolaire ou autre. Alors, nos amis québécois, alors en France aussi, hein, on essaye des fois de différencier pédagogie et andragogie. Est-ce que la pratique du jeu, dans le champ de l'andragogie, donc voilà, la formation d'adultes, si on veut le résumer un peu courtement, est-ce que voilà, vos propos, vous les transposeriez de la même façon entre l'approche en pédagogie, si on devait en faire une différenciation avec la dimension de l'andragogie? Alors, non, il faut, là, j'ai essayé de balayer très large avec effectivement une focalisation sur les usages auprès, on va dire, des jeunes publics, parce que ça va jusqu'à l'adolescence, parce qu'en fait, c'est là où la littérature en sciences de l'éducation est la plus fournie. Donc, c'est là-dessus qu'on a beaucoup plus d'informations. Après, les travaux en andragogie sont un peu moins importants, on en trouve, et surtout que c'est ce que j'ai essayé d'évoquer un peu en conclusion, c'est-à-dire que ce qui caractérise l'enfance, c'est le caractère relativement peu, comment dire, quand on fait des enquêtes auprès des enfants, ils ont des références en termes de culture ludique très communes et très partagées. Donc il y a une forme d'homogénéité qui permet souvent aux enseignants de s'appuyer sur des pratiques dont ils savent qu'elles vont être partagées par la classe et d'être un levier sur lequel ils peuvent... peuvent produire des activités. Alors, c'est aussi vrai du jeu vidéo, mais par exemple, il y a eu un travail qui avait été fait sur l'utilisation de Pokémon Go en collège, au moment où Pokémon Go était sorti. Et donc, on voyait qu'il n'y avait pas de difficulté en termes d'appropriation parce qu'il y avait la culture Pokémon qui était partagée. Et puis, ils avaient tous plus ou moins essayé au moins une fois. Donc, il n'y avait pas de complexification de la tâche, quoi. Là où on a commencé à avoir là où on voit des différences beaucoup plus fortes en termes de culture ludique, c'est chez les adultes. Et donc, j'évoquais le cas de ce jeu, du travail de Michael Huchette, notamment. Il a développé un jeu sur un autre jeu qui était sur les métiers du chantier pour apprendre à... Et là, on commençait à voir que certaines mécaniques de jeu n'étaient absolument pas partagées. Et donc, du coup, la difficulté, c'était de se dire, ben, je suis en train d'essayer d'enseigner quelque chose par un dispositif, mais qui produit, en fait, qui rajoute une couche de complexité à l'enseignement qui est visé. Donc, dans l'andragogie, ces questions de culture ludique se posent plus fortement. Très bien. On a une question d'un internaute. Voilà, qui vous remercie pour votre propos très, très éclairant et qui peut remettre en question des idées reçues, sans doute celles qu'on pouvait aussi des fois avoir. Hein. On introduit le jeu et tout de suite, il y a des miracles qui s'opèrent dans les apprentissages. La question de l'internaute, c'est: que pensez-vous des jeux collaboratifs qui permettent de rechercher des solutions ensemble? Sans doute peut-être que ça agite les leviers comme Vygotsky pouvait le laisser entendre du socioconstructivisme et autres. Ouais. Est-ce que pour vous, le jeu collaboratif peut avoir peut-être un gain, hein, on va laisser entendre ça par la question de l'internaute, parce qu'on serait ensemble autour du jeu, un peu comme ce que M. Triclot nous disait tout à l'heure autour du jeu de plateau, où au moins on se met à table, il y a plusieurs chaises. Ouais. Voilà, si le jeu digital il est collaboratif, est-ce que ça change la donne? Ben, en fait, ça renvoie quand même à des choses qui sont connues, enfin qui sont connues, qui sont en tout cas étudiées en sciences de l'éducation, qui est quand même les effets du travail collaboratif en général. C'est-à-dire qu'il ne me semble pas que le jeu vidéo produise des effets nouveaux. Par contre, ce qu'on sait, il y avait les travaux de Patrick Baudry, par exemple, sur ce qu'il appelait les dyades symétriques ou asymétriques, c'est-à-dire de faire travailler les enfants en se rendant compte que les situations où on mettait des enfants de même niveau ou des gens de même niveau à peu près de compétences ou d'incompétences avaient parfois des effets plus productifs parce que un des effets, on peut se dire, c'est les mettre en groupe avec des niveaux différents. Ben, ça fait que vous avez des logiques de tutorat qui se mettent en place. Et en fait, ce que lui montrait, c'était plutôt non. En fait, vous aviez plutôt intérêt. Donc, ces dimensions collaboratives sont souvent intéressantes sur des aspects symétriques, c'est-à-dire où les gens découvrent ensemble une activité, donc vont construire collectivement des solutions. Donc là, on a quelques éléments, mais
Sur le jeu exactement, non. Honnêtement, je n'ai pas de réponse plus précise. D'accord. Une question qu'on poserait aussi, c'est, alors, sauf si on ne s'est pas bien saisi du propos, on a pu saisir dans vos deux interventions comme quoi le jeu peut néanmoins peut-être être un petit peu recentré sur des attendus en termes d'apprentissage, mais qui du coup fait que le joueur qui s'inscrit dans le jeu se trouve un peu comme dans un tunnel, en fait, guidé par l'intention du jeu et dans lequel le jeu ne s'adapterait pas forcément du coup au profil du joueur. Il y a peut-être eu ça dit un petit peu dans vos interventions. Du coup, quand on parle avec des éditeurs de jeux sérieux, avec la technologie digitale, ils évoquent le fait qu'en rapportant la technologie de ce qu'ils appellent en anglais l'UX, donc l'expérience utilisateur, on pourrait éviter cet effet un peu tunnel où la personne est obligatoirement guidée dans une seule et même trajectoire que le jeu a défini de par sa construction, mais qu'avec l'UX, potentiellement quand même, il y aurait une forme d'adaptabilité à un aspect cognitif qui serait singulier à la personne ou à ses méthodes d'apprentissage. Voilà. Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Et du coup, vous ne retrouverez pas, ouais, un jeu de plateau, parce que le jeu de plateau et l'UX, ça marche un petit peu moins bien qu'avec le jeu digital. Alors, ça renvoie quand même à la question, c'est-à-dire ce qu'on voit clairement, c'est effectivement des jeux qui essaient, en fait, donc, quand on regarde l'histoire des jeux éducatifs des premiers, il y avait très peu de traitement de l'erreur, c'est-à-dire au fond, elle était sur un mode binaire, et donc ce qu'on voit se développer, c'est des dispositifs qui essaient effectivement de considérer, d'intégrer l'erreur et de profiler au fond. Là où on le voit très bien, c'est sur un dispositif comme Voltaire, je ne sais pas si vous voyez, qui n'est pas un jeu, mais qui est un dispositif autour de rencontres. Oui, de français. Ouais. Et donc, c'est un dispositif qui essaie en fait, de traiter vos erreurs et de comprendre au fond où est-ce que vous bloquez, en fait, sur quel type de règles grammaticales ou orthographiques vous bloquez. Donc, on trouve des dispositifs, mais ça renvoie quand même à ce que disait Mathieu. Pour en faire un bon système presque de deep learning, hein, ça coûte excessivement cher en fait à développer. Donc oui, il y a clairement, en tout cas pour le domaine que je connais bien du vidéo éducatif, on voit l'erreur intégrée et une espèce de profilage en fait de l'utilisateur, mais parfois ça reste quand même très sommaire et ça coûte très cher. Très bien, ben, merci à vous aussi, Monsieur Berry. On va arriver au terme de notre webinaire, le dernier. Donc, comme c'est le dernier, je me réserve 1 à 2 minutes de remerciement. Alors, ça peut se faire aussi en présence de Monsieur Triclot s'il le souhaite en rajoutant sa vidéo. Mais ça va être des remerciements déjà à vous deux, messieurs, qui avez été sollicités voilà, bien plus en amont en ce début d'année 2021, au moment où on écrivait cette page au sein du laboratoire EES de l'Université de Tours. Donc, merci d'avoir clôturé avec nous cette série de 5 webinaires qui ont été fort apprenants. On se rappelle qu'on a démarré sur des réflexions autour de la e-santé au tout début, puis on est allé sur la littératie en santé. On a fait un passage à un moment avec nos éditeurs de Serious Game et puis un universitaire de Suisse qui aussi avait posé une réflexion sur cet environnement-là, des jeux vidéo sérieux. La dernière fois, en étant ensemble sur les questions d'éthique et e-santé, on a terminé avec vous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes les équipes qui ont été présentes. Merci à Latifa, qui est de l'autre côté d'une caméra avec un groupe d'étudiants en éducation thérapeutique dans une salle. Merci à Tugba, qui était là aujourd'hui en tant que modératrice. Et puis, il y a eu Clarisse avant en tant que modératrice aussi. Merci au professeur Ruche, qui est le directeur du laboratoire et qui a aussi permis la mise en œuvre de cette série. Merci pour tous ces partages, tous ces échanges. Vous étiez plus de 500 à vous inscrire à notre série des 5 webinaires, plus de 500 personnes de profils très divers. Merci à vous pour votre confiance et nous avoir suivis jusqu'au bout. On vous rappelle que tout va être mis en ligne sur notre chaîne YouTube au niveau du laboratoire de l'université. Merci à nos orateurs d'avoir donné les autorisations de diffusion et donc ce sera en replay par la suite sur la chaîne YouTube. Et peut-être, hein, on va déjà se mettre en œuvre là-dessus avec l'autorisation de nos orateurs, peut-être la sortie d'un ouvrage collectif par rapport à nos orateurs qui ont pu intervenir et s'ils souhaitent y participer. Voilà, il y aura un ouvrage collectif, comme c'est un peu de tradition dans ce laboratoire, à la fin de ce type d'événement, voilà, partagé et collaboratif.
pour le coup, pour reprendre un terme final. Voilà, messieurs, merci à vous deux. Merci d'avoir invité. Merci pour votre invitation. Bonne suite à vous, bonne suite à tous. Et puis, à bientôt, peut-être pour d'autres aventures. Merci et au revoir. Au revoir. Au revoir.